Thank you.
Voilà, c'est bon. J'ai mis la sponsor. Oh là là, mais il a mis un fond bleu. Ouais. Non mais franchement, tu te rends compte quand même, faire une sponsor pareille? Je comprends pas, Ouais. je comprends pas. Je veux dire, qu'il ait contacté, tu vois. Je suis sûr qu'il a dû le faire, c'est pas possible. Mais me dis pas qu'il a pas eu un sponsor d'une marque de raclette, mais une marque de fast-food. Surtout qu'en plus, il aime pas cette marque. Mais en plus, ouais, non, franchement. Mais quitte à faire une sponsor, fais quelque chose aux couleurs de la chaîne, quoi, parce que la bleue. Mais ouais, mais c'est n'importe quoi. Et là, en plus, je dois la laisser 1 minute 30, 2 minutes. Il n'a pas du tout négocié le 1 contrat comme il minute faut. 30! Et tu sais le pire? Tu Oh sais là le pire? là. Il me l'a dit en privé, Non. mais tu sais le pire? Les gens, il annonce exprès le 1er avril là, pour faire croire que c'est poisson d'avril, machin, etc. Mais les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que ça va durer toute l'année. Toute l'année! Toute l'année. Mais non! Bah Mais c'est... putain, j'espère qu'ils nous sponsorisent bien parce que là, sérieux, mettre ça sur son stream, faut le vouloir, quoi! Mais ouais, non, mais n'importe quoi, quoi. Et l'histoire du changement de nom, là, René Gam, là, je sais pas quoi, Marion Gam, un truc comme ça, là. Ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est vrai, hein. Il nous a forcé. C'est la blague de René Coty, là. C'est que c'est lui qui avait eu l'idée à l'origine. Et il m'a Mais demandé à oui, moi, je m'en mais ouais. souviens. Et il veut encore qu'on l'appuie. Elle est éculée, cette blague, au bout d'un moment, quoi. C'est fou. Ouais. Ah, merci pour le cappuccino, en fait. De rien, de rien. Y a pas de souci. Il était bien chaud? Ok, super. Parfait. Bon. Juste, t'as oublié le sucre, putain. T'as oublié le sucre, quoi, merde. Ouais, je suis désolé, j'ai oublié d'acheter la stevia. C'est pas grave. Mais bon, on va pas durer Ouais. longtemps là ce soir, je suis un peu fatigué, je t'avoue. Ah, oh, je suis claqué. T'as fait le lit, au fait? Ouais. J'ai fait ce que j'ai pu. On avait plus de drap propre, alors j'en ai lavé un vite fait, mais bon, c'est à la main, moi je sais pas super. Ah, puis c'est long à sécher en plus, c'est vrai que c'est chiant. Putain, elle est longue cette pub. Ouais. On va toujours manger chez ta mère ce midi là? Demain midi, pardon? Demain, ouais, demain midi. Ok. Faut qu'on se lève tôt d'ailleurs, hein, oublie pas. Hein. J'ai Oh mis le réveil à 9h. non, je voulais faire la grasse mat. Je suis désolée, mais on n'a pas vraiment le choix parce que sinon le beau-père il va gueuler encore, quoi. Tu sais comment ça se passe, hein. Non mais tu sais comment je réagis quand c'est comme ça. Je suis coquin. Oui, bon, ça Allez, tourne-toi. arrête. Non. Tourne-toi, j'ai dit. Mais ça va commencer. Ça va, écoute, je peux laisser la pub encore une 30 minutes, 30 secondes de plus, c'est bon. 30 Non, minutes. Tu non, non, surestimes non. un petit peu Bon, là. on va pas le faire de suite, on va pas le faire de suite, mais tu, hein, tu as été Bon, méchante. dépêche-toi, allez. Oui, attention. Allez, maintenant, arrête. Ça te fait rire en plus, Oh. hein? Mais non, mais arrête, après je vais encore être toute rouge là devant la caméra, ils vont se demander pourquoi. Ouais, t'as raison, t'as raison. Faut que je me soulage. Bon, on fait comme si de rien n'était, comme d'habitude. Genre, on sourit 2-3 heures là, on dit 2-3 histoires à la con là, et Ouais, on t'inquiète. leur fait plaisir là, on empoche le pognon, et puis après on se casse, ok? Allez, vas-y. Bon, allez, il faut faire ça, genre, on sourit, on rigole là. Je te raconte une blague? La blague, excuse-moi, mais se faire sponsor par un fast-food, quoi. La vache qui rit encore, tu vois, à la limite. Mais je crois qu'il a contacté, il a pas réussi à la voir. Ah ouais? Ben non, elle était en train de donner du lait, je crois. Ou du fromage, je sais pas, j'ai pas compris son histoire. Bah, c'est un fromage, la vache qui rit, je crois, mais... Parce que en plus, ils font du fromage maintenant en tranche et tout pour les croque-monsieur. Ça, le fromage à raclette, c'est presque pareil. Franchement, ça pourrait Ouais, passer encore, quoi. Mais bah un vu quoi. fast-food. Vu comment ça se passe, c'est plus de cow-boy qui a du fromage dans la tête. Heureusement qu'ils nous entendent pas, putain. C'est... Ah là là, heureusement, Bon, allez, heureusement. vas-y, sérieux, il va falloir On y commencer là va? parce qu'ils vont se demander. Bon, allez, on rigole. 1, 2, 3. Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à Bonsoir. tous. Oula, tu as la tête coupée, Ah, j'ai la ma tête coupée. Attends, chère. pardon, je dois me décaler par là. Attends, Hop là, vas-y. parfait, Ah. super. Ma chère. C'est quoi les noms déjà? René Guette. Ouais, Reneguette. Parce que Bonsoir, j'aime ma la chère gaieté. Renégate. Et oui, parce que Je tu aimes suis la gaieté. guette. Et oui, ce soir, vous êtes bien sur René Games pour évidemment profiter
de votre stream sur évidemment René Games Live. Il a renommé déjà ça, c'est René Games Live du coup? Ou il n'a pas encore fait? Je crois qu'il n'a pas encore renommé la chaîne. On a le logo, on a tout et tout, mais dans les prochains jours, ça devrait venir du coup. Ok. Super idée, hein, évidemment, de sa part. Bravo. Bravo. Mais oui, le jeu de mots, franchement. Voilà. Surtout l'histoire de nous forcer, de nous permettre de nous renommer pendant les streams. Voilà, donc vous êtes actuellement avec René Coty et du coup René Guette. Voilà. Bonsoir à vous sur le chat, bonsoir Nadia, bonsoir Vornis, salut. Vornis qui nous dit, moi je me suis demandé si j'étais bien sur Renegade vu les coups de fouet. Quel coup de fouet? Il n'y a pas eu de coup de fouet? Bah non. Attends, j'avais bien coupé ça. Non, il n'y a pas eu de coup de fouet. Attends, t'avais bien coupé les micros quand même. Bah oui, je pense, oui. Ben, tu vois. Non mais j'ai un bouton sur lequel j'appuie, mais il n'y a pas de non y a rien. J'appuie sur des boutons comme ça, mais bon, c'est le bruit de fouet traditionnel. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé vu le temps qu'il a mis à se déclencher, le temps que j'appuie. Bon. Bah ouais, non, je sais pas. Je sais pas où t'as entendu ça. Alors il va falloir que tu te nettoies les oreilles. Une autre fenêtre d'ouverte ou quoi, je sais pas. Ah non mais on est con. Il nous fait un poisson d'avril. Ah bah oui, c'est le 1er avril. Oui, c'est vrai qu'on est le 1er avril. Là, là. Quelle bonne idée pour changer toutes ces informations. Oui, c'est super. Bon, ça va vous? Vous allez bien? Et toi, ça va, Dana? Non. Non. René Coty. Oh, salut. Bonsoir, ma magacha. Bonsoir à toi, ma magacha. J'espère que tu vas bien. Coucou. Ça va très bien. Tu m'excuses, je vais quitter 2 secondes, mais il faut vraiment du sucre dans mon café. Oui, mais vas-y, il n'y a pas de souci, Dommage que tu aies oublié le sucre dans ton café par toi-même, évidemment. Moi, je ne l'aurais pas oublié si je te l'avais fait, évidemment. Mon micro, ouais, mais tu ne veux jamais m'en faire, de toute façon. Ouais, évidemment. Vous n'avez pas de flou derrière vous, c'est normal. Alors, derrière moi, oui, derrière Milly, ça devrait arriver sous peu, elle le remettra ensuite. Mais ça vous permet d'admirer sa... C'est rien. Ça vous permettra d'admirer sa magnifique bibliothèque. On vous rappelle hein, qu'évidemment, il y a une bibliothèque. Ça va et vous? Ça va très bien, maman. Ça va très bien. Moi, j'ai pas le flou. C'est normal parce que, du coup, par rapport au fait que je ne peux plus partager, récupérer la caméra depuis Skype, ben, je suis obligé de mettre ma caméra normale. Donc, il n'y a pas de flou. Mais c'est pas grave. Vous ne ratez rien. On voit ton pantalon séché derrière toi. Non, c'est la veste d'Apollo. Et bonsoir à toi, The Cowboy. J'espère que tu vas bien. Super, hein, le René Games. Hein, super, l'idée du renommage. Hein, René Coty, René Guette. Super. Merci. C'est une super idée. Et le sponsor. Super. C'est cool. Ouais. Et rebonjour à toi, René Guette. Qui ne nous entend plus ou qui ne parle plus. J'avais coupé mon micro. C'est qu'elle avait coupé son micro, c'est pour ça. C'est vrai que ça fait longtemps, effectivement, ça fait longtemps, ma magacha, j'espère que tu as... Ah, je vois que vous aimez, c'est cool. Oui, voilà, on a mis dans le ton, effectivement. René Games, c'est français, ça va aller loin. Oui, donc du coup, pardon, Mini n'a pas le flou, effectivement, sur sa caméra, mais elle va le mettre sous peu. D'ailleurs, je peux jeter un sort. Pour le mettre avec ma j'ai Wiimote, pas le flou sur ta caméra. J'ai pas le flou, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est rangé derrière. C'est vrai, donc il n'y a pas besoin de faire un coup de baguette magique. Bon, ce n'est pas nécessaire, le flou, je me demandais juste si c'était un oubli. Non, c'est... en tout cas pour moi, ce n'est pas un oubli. En cas où, merci de m'avoir prévenu, mais... Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je déplace un peu ma cam, parce que sinon je suis rongé sur le côté. Dans le ton, cette saison. Ouais. Tac. Mais avec un sucre quand même. C'est mieux, hein. C'est mieux, ouais. Ah ouais. Oh, je te conseille de racheter du sucre quand tu vas faire des courses. Mais il en restait là. C'est toi qui avais pas cherché. Enfin, il y en avait dans la réserve. Ah ben voilà. Ben alors pourquoi t'en as pas pris dans la. Pourquoi. Enfin. Bref. Dans la réserve, voilà. Dans la réserve, ok. Bon. Mesdames et messieurs, qui dit.
Soirée glouglou, dit évidemment. Poisson, dit évidemment. Fond sous-marin. Voilà. Et dit évidemment. Tortue et autres orques que vous pourrez voir sur votre écran de temps en temps, ainsi que toujours la chouette, hein, qui est toujours présente, évidemment, Mais le oui. hibrou, évidemment. Et puis bon, ne dit-on pas parce que plouf plouf, la vie parfois fait plouf. Exactement. C'est le 1er avril, pas la Saint-Valentin, en rapport avec votre logo. Alors oui, mais pourquoi on a mis ce logo? Parce que on est sur Harry Potter et que aujourd'hui, on a décidé, avec Millie, de vous proposer trois histoires qui ne sont pas liées aux œuvres, enfin qui sont liées aux œuvres de J.K. Rowling, évidemment, mais qui ne sont pas tirées de ses écrits. Oui, nous allons lire des fanfictions. Sachez qu'il y en a deux, vous allez choisir la première que vous voulez qu'on lise, la deuxième on la lira ensuite, et il y en a une que nous avons écrite spécialement pour ce soir. Et je peux vous dire, il y aura du fou rire. Elle est exceptionnelle. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. En tout cas, j'espère que vous l'apprécierez. Hop, c'est le premier épisode. Donc, hein, ce serait cool de refaire des abos et des amis chaque fois on se termine. Alors, sache qu'on le fait sur Renegades Live, ma chère Mamagacha. Actuellement, on est sur le Twitch Renegades Live, ainsi que sur mon YouTube DNAP, mais on est sur le Twitch Renegades Live. Et sur le Twitch Renegades Live, tous les mercredis, il y a un jeu multi, ça peut être du Mario Kart. Ça peut être du Gartic Vaughan, ça peut être ce genre de choses comme ça, encore une fois. N'hésite pas à te connecter, du coup, à la chaîne Renegades Live pour vérifier, pour voir et vérifier ça, n'hésite surtout pas. Ils ont ri d'avance, ah oui, on a de quoi rire, vraiment. Millie, mais oui. C'est toi oui. qui as préparé ce planning, car je travaillais surtout, donc je t'en remercie énormément. On a écrit quand même la dernière fanfic ensemble, mais c'est toi qui as sélectionné, nettoyé, préparé aux petits oignons les deux premières fanfics que nous allons traité. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement, s'il te plaît? Alors, il y en a deux. Les deux traitent une histoire de romance entre deux personnages du monde d'Harry Potter. La première traite d'une romance assez malsaine entre Drago Malfoy et Ginny Weasley. Oh. Et la deuxième traite de la romance existante ou non entre Severus Rogue et Lily Evans slash Potter, puisque Lily est la mère de Harry Potter. Très bonne fanfic qui ont été sélectionnées. Et on va vous laisser choisir vous-même ce que vous voulez entendre. Je vais lancer un petit popole. Entendre en premier, sachant que la troisième fanfic, qui est notre fanfic que nous avons rédigé nous-mêmes. On la garde pour la fin. On la garde pour la fin, et sachez que on a fait une petite exception en cette Saint-Valentin de l'amour qui n'est pas une Saint-Valentin, ça ne parlera pas forcément d'amour. Voilà. Le sondage va être posé sur le chat et vous allez pouvoir donc sélectionner entre... Sur Twitch, je précise, sur pour le ceux Twitch. Qui sont sur YouTube, ça n'apparaît pas. Exactement, le sondage est uniquement sur le Twitch Renegades Live, hein, puisqu'on encourage les gens à venir sur le Twitch Renegades Live, donc on leur permet de voter. Vous avez le choix entre la fanfic Drago et Ginny ou la fanfic Severus et Lily. À vos votes, mesdames et messieurs, tu me dis quand tu lances le vote. J'autorise les votes supplémentaires pour 100 euraclettes, bien sûr. Et vous aurez 2 minutes pour voter. Voilà. 100 euraclettes, bien sûr, on changera bientôt les euraclettes hein, par rapport à notre sponsor, hein, les fiches. Oui, Enchies. On n'aura pas le choix du coup. Voilà, 100 fiches Enchies. Pour l'instant, vous payez encore en euraclettes, bien ouais, sûr. Effectivement. Donc, comme le disent le combat avec le sponsor, vous avez mangé du fish and cheese toute l'année. Il m'envoie plein de burgers pour tout le monde. J'ai super bien négocié, effectivement. Négocier 2 minutes de pub avant chaque stream, c'est super bien négocié. Ok, donc du coup, vous pouvez évidemment choisir hein, votre fanfic. On voit tout, ça se passe sur le Twitch. Merci beaucoup, ça se passe sur Patrice. Twitch, Mamagacha. Merci beaucoup, Patrice, pour ton like. Et vous pouvez en même temps admirer notre nouvelle mascotte, hein, qui est évidemment le Ship Ship. Mais encore oui. Un choix audacieux de The Cowboy hein, qu'il a fait. Mais d'un côté, ça correspond comme bien ça. Au nouveau sponsor. Oui, oui, c'est vrai, ça correspond bien au nouveau sponsor, hein, un choix qui a été pris comme ça, de manière totalement arbitraire, mais c'est une très bonne idée. Les 2 minutes sans payer en frites, ah putain, mais si j'avais su, moi j'aurais mis le popole plus longtemps, hein, et puis on aurait repassé la pub pendant ce temps-là.
On peut repasser la pub si vous voulez, hein. Moi ça me va, mais peut-être Ah, un peu beaucoup, non? tu nous dis, The Cowboy, hein, Tu nous dis si on tu... doit repasser la pub, on a déjà passé 2-3 minutes avant, mais bon. C'est peut-être un peu trop, non, enfin, je donne le lien du Mais Twitch, hein, attends, si vous il voulez. reste quasiment rien en Voilà. temps pour voter, alors du coup, c'est peut-être pas valable. Oui, non, je Pour vois. l'instant, c'est Severus et Lily qui l'emportent. Attention, il ne reste que quelques secondes. Je dirais Seulement approximativement quelques une vingtaine de secondes. secondes. Votez donc, votez donc. Severus, Lily, Drago et Ginny, vous avez le choix, évidemment, l'embarras du choix, le choix de l'embarras 1, hein, évidemment. Bon, tandis que vous profitez de, encore une fois, de ce stream, hein, on vous le rappelle, hein, sur le Facebook, le YouTube et le Twitch de René On est Games. Games. Attention, on fait pas de faute Ouais, là, c'est. Et c'est donc Severus et Lily de qui René ont Games. remporté la victoire. Et aussi sur le YouTube, évidemment, de DNA Play, hein, qui ne changera pas de nom comme ça. C'est pas celle que j'aurais lue en premier, mais admettons, pourquoi pas. Severus et Lily, Severus et Lily qui est une Mais de c'est parce celles. que moi je les connais, puisque c'est moi qui les a lues, corrigées, modifiées si nécessaire, parce qu'il y avait quelques soucis avec les originales. Effectivement, et tu as fait une magnifique correction que je n'ai pas lue pour ne pas me spoiler, mais je sais que tu as vachement bien travaillé dessus puisque tu m'en as déjà parlé. Et surtout, quand j'ai vu ce qu'il y avait avant, voilà. Donc du coup, bref. Oui, le choix de l'embarras, comme tu dis, René Coty. Exactement. Hein. On vous rappelle qu'on est René Coty et René Guette aussi. Ça fait partie du changement de marque de la chaîne. Hein. Il a changé déjà le YouTube de DNA Play puisqu'avant, c'était pas. Alors, on en parlera après. C'est bon. Ça ira. On va lire le truc. Hein. C'est vrai, c'est Lily. Je veux dire, oui, bon. Encore, ça s'est appelé directement DNA Play, mais bon, je veux pas. C'est bon. Ça va, on va lire la fanfic. Hein. Tu me dis quand tu es prêt, moi, Mais je elle suis est en train de chez moi l'ouvrir. Je personnellement. suis en train de l'ouvrir. Je vous rappelle que pendant la lecture, mesdames et messieurs, ben, nous sommes en train de lire. Donc on ne peut pas lire le chat. Et évidemment, c'est divisé en quelques chapitres. Tu as divisé, je crois, en deux chapitres. Celle-ci, je l'ai divisée en deux chapitres parce que pour vous expliquer. Il y avait deux fanfictions qui étaient pas mal, mais qui étaient très très courtes, et je trouvais qu'on pouvait les mettre à la suite en faisant une petite transition, en modifiant un peu. Et du coup, j'ai pris la première, je l'ai corrigée, modifiée, parce que certaines choses ne seraient pas passées en stream. J'ai fait une Effectivement. transition pour la lier à la deuxième, et puis j'ai créé une toute nouvelle fin. Voilà. Exactement. On garde le meilleur pour la fin. Drago Dini, ça pourrait être bien. On verra après tout à l'heure. Drago Dini, bien sûr, on a le temps de les lire Vous nous toutes. direz de toute façon si vous avez aimé ou pas, et puis on verra. Exactement. Et je te propose qu'on commence de lire. Alors, je n'ai pas préparé du tout les boutons pour ça. Puisque ma tablette je ne l'ai pas allumée depuis un petit moment, mais du coup ce que je te propose c'est qu'on lance quand même un petit bruitage de lecture chatoum pour la peine puisque Chad nous l'avait fait dans son immense gentillesse en nous Plutôt prévenant, en Capitulus nous demandant Proximus, hein. Capitulos Proximus, bien sûr, effectivement, Parce que là, nous allons commencer à lire et non pas le oui, chat, et tu mais as raison, l'histoire. et tu as tout à fait raison. Donc du coup c'est parti pour le RAM, chapitre suivant. Ça arrive. Oui. Capitulus Proximus. C'est le Capitulus Proximus, vous l'aurez compris. C'est parti, du coup, pour la fanfic qui commence de ces deux Severus et de Lily. Chapitre 1. Je te laisse lire le nom du chapitre, parce qu'apparemment, c'est moi qui commence. C'est toi qui commences. Pour vous mettre dans le contexte, le chapitre 1 s'appelle Souvenirs d'enfance et nous sommes donc dans l'âge enfant de Severus et de Lily. Donc essaye de nous faire une voix d'enfant, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Donc chapitre 1, Souvenirs d'enfance. Tout est si joli dans cette chambre. Dit Severus. Il fixa le landau bleu ciel rempli de poupées de porcelaine fine. Toutes vêtues d'épaisses robes colorées et de grands chapeaux. Merci. Répondit une voix douce, légère, fraîche et cristalline. Cette poupée était la plus belle
Ses cheveux bouclés, roux carottes, étaient coiffés en deux nattes attachées par des rubans crème assortis à sa robe. Elle devait avoir 18 ans et était beau comme un enfant. J'ai l'impression que j'ai oublié une erreur dans cette phrase, faut enlever le 2. Elle devait avoir elle devait avoir 6 ans, on est d'accord. Oui, 6 ans. Elle devait avoir près de 6 ans, avait de grands yeux, à mi-chemin entre le vert lagon et le bleu turquoise, le contour étant doré. Surtout toi, ajouta alors le petit garçon. Il avait les cheveux noirs et raides, des yeux vifs couleur caramel. Il était très grand pour son âge et plutôt filiforme. Sa longue cape pour enfant était tachée de suie, son pantalon était gris, délavé, et son t-shirt tiré sur le marron verdâtre. « C'est très gentil, Sévrus, » dit-elle, ses joues roses prenant une couleur rouge délicate. « Je ne fais que dire la vérité. » Lily rigola. Sévérus jeta un regard désespéré par la fenêtre, constatant que, dehors, la pluie tombait drue. Mais il était hors de question pour la mère de Lily que sa princesse sorte dehors. « Tu veux jouer ?» proposa-t-il. Il ne voulait pas rester cloîtré à l'intérieur d'une maison qui sent la lavande à ne rien faire du tout. « Super ! On joue à quoi ?»« Comme tu veux !» dit simplement Sévérus. Sévérus aimait jouer avec Lily, que ça soit à la dinette ou au chevalier. Il voulait juste passer du temps avec elle. « Au détraqueur ?» proposa Lily. « Oh, Lily !» grogna Sévérus. « On y joue tout le temps !»« On peut jouer au papa ou à la maman, sinon. Mmh, »« D'accord. » »« D'accord, je suis la maman, tu es le papa, et on va se marier et on veut un bébé. » Sévérus se dit qu'il allait encore devoir mentir à Lily sur la façon dont on faisait les bébés. « Je vais me déguiser en mariée !» dit-elle, en déposant un voile blanc orné de fleurs sur ses boucles rousses. « C'est un vrai ?» demanda Sévérus en déposant sur ses cheveux gras un haut de forme. « Oui, c'est celui de ma mère. Je l'ai volé. Chut !» murmura la jeune fille en posant le doigt sur sa bouche. Sévérus sourit. « C'est... « Comme en vrai, alors ?» demanda-t-il avec un regard complice. Les deux enfants se rangèrent devant le pupitre en bois clair où était posé un ours en écharpe avec un carnet rose dans ses pattes molles. Sévérus prit une voix bourrue. « Lingillian Revance, voulez-vous prendre pour époux Sévérus Tobias Rogg ?»« Je le veux !» s'écria la jolie mariée. Sévérus Tobias Rogg, voulez-vous prendre pour époux Lily Lorevance ? De tout mon cœur, dit tendrement le petit garçon, les yeux brillants. Sévérus déposa ses lèvres sur celles de Lily avec une innocente indécence. Très bien, dit Sévérus tout à coup très émotionné. On peut faire un bébé. Lily sauta sur son lit en fer forgé blanc. Celui-ci fit semblant de... Sévérus. Sévérus fit semblant de prendre une graine dans sa poche. « Voilà, j'ai la graine. » Vas-y. Lily souleva sa robe et dévoila son nombril. Sévérus déposa la graine imaginaire au creux de celui-ci. « Voilà, il faut attendre 9 minutes maintenant. » chantonna-t-il gaiement. « C'est long, 9 minutes !» se lamenta Lily. Un silence pesant s'en suivit. « Bon, on dit que ça fait 9 minutes !» rétorqua la future maman, déterminée. Elle prit un poupon en plastique et le posa sur son ventre. Et, dans une très mauvaise imitation d'atroce souffrance, elle se mit à gémir. « Oh ! Je vais accoucher! Je le sens! Oh !»
Oh, Lily, ne bouge plus, je suis là. La soutint Severus en lui tenant la main. Il prit un stéthoscope en plastique et le posa sur le ventre de Lily. Oh, je l'entends bouger. Oh, je suis mal. Gémit-elle encore. Il faut pousser maintenant. Vas-y, vu la phrase d'après. Ah, d'accord. Vas-y, vas-y, tu veux pousser en vocal? Vas-y, je fais semblant de pousser, vas-y. C'est très élan. La jeune enfant s'exécuta et fit glisser le poupon dans les mains de Severus, qui le déposa affectueusement dans les bras de Lily. Ils échangèrent alors un regard. Pardon, je viens de lire la faute que je lis. C'est pas grave. Tu te mets dans le thème en faisant défaut dans la fanfic. Ils échangèrent alors un regard émerveillé, plein d'amour. Severus, c'est une fille ou un garçon? Severus prit un air pensif. C'est un... garçon! Alors, comment on l'appelle? Harry! J'aime bien Harry. Et toi? J'adore moi aussi! Lança-t-elle enthousiaste. Lily berça le bébé et l'embrassa sur son front en plastique. Je t'aimerai toujours, Harry. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. J'ai perdu la phrase, chuchota-t-elle d'une voix maternelle. Vas-y. Severus prit Harry dans ses bras et ajouta: On t'aimera toujours, Harry. À jamais. Ce souvenir, si lointain soit-il, était revenu si soudainement. Le professeur Severus Rogue, toujours troublé, relut pour la 20e fois au moins le nom du nouvel élève qui le perturbait tant. Harry Potter. Elle l'avait donc appelé Harry. Songea-t-il tristement. La vie fait parfois preuve d'une bien sombre ironie. Fin du chapitre. Chapitre court! Il nous reste encore un chapitre à lire hein, que vous pourrez ensuite Voilà, on lit profiter. un petit peu le chat rapidement. On fait une petite lecture de chaton, mais évidemment, je recherche le bruit. Pardon, je toussais. Désolé. Lecture Chatham. Lecture chatom évidemment. Bonsoir à vous hein, qui êtes dans le chat. On vous lit le chat. Monsieur Steak qui nous demande bonsoir, vous êtes en couple? Évidemment, non, nous ne sommes pas en couple. Non, Nous pas sommes du tout. à une distance assez éloignée. Hein, voilà, l'une Assez et conséquente, voilà, je veux dire, c'est ça. 5 mètres, c'est quand même très C'est grand. quand même pas mal, effectivement. Non, nous ne sommes pas en couple. Hein, voilà. Non, Je pas suis du la tout. maman et tu es le papa, mais pourquoi elle précise? C'est vrai, c'est une bonne question, Nadia, pourquoi elle précise? J'arrive pas à me créer un compte Twitch. Tu n'as pas besoin de te créer un compte Twitch, logiquement, pour regarder le stream. Au pire, regarde le stream sur YouTube. Il y avait juste le Pas vote grave, du le stream début. est le même. Voilà, Voilà, c'est le juste stream. le vote du début. Exactement. Le stream est vraiment le même sur les deux chaînes. La seule chose qu'il y avait, c'est que sur Twitch, il y avait la possibilité de voter, mais on s'en fiche. Le vote, il est passé, c'est bon, t'inquiète pas. Si Il n'y 9 aura pas minutes lui d'autres paraissent. votes après. Il n'y aura pas d'autres votes, exactement. Si 9 minutes lui paraissent longues, vous avez quel âge, nous demande Monsieur Steak? Eh bien, écoute. J'aimerais te répondre, mais logiquement, les informations sont déjà camouflées quelque part sur Twitch, dans le monde réel, alors que nous sommes évidemment dans un autre monde. Donc, on ne peut répondre, à moins qu'on puisse te répondre que actuellement, j'ai 113 ans ainsi que 1124 ans. Voilà. Exactement. Enfin, c'était mon anniversaire il y a peu, en fait. J'ai 125, mais merci de m'avoir rajeuni, ça Excuse-moi, fait excuse-moi. plaisir. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai oublié de te le fêter, tu me l'as bien fait baver. Du coup, The Combat qui nous dit Harry, cover! C'est rigolo. C'est qui? Alors, Restreambot, c'est le système qui nous permet justement de transférer des informations. Monsieur Steak, j'ai compris. Merci pour The Cowboy pour le compte créé à la rigueur. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais bon bref. C'est nu Restreambot. Alors il faut savoir que Restreambot, c'est le système qui nous permet de restreamer sur plusieurs channels et notamment de partager les messages entre justement les différents contenus, notamment de Twitch à YouTube, puisque nous sommes actuellement sur Twitch et aussi sur YouTube. C'est qui Renegame? C'est le nouveau nom de la chaîne hein, qui s'appelait Renegades avant et qui a été renommé aujourd'hui Renegames.
Et apparemment, 1er avril, mais c'est peut-être, c'est peut-être plus long que ce que vous pensez. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet, on en discutera plus tard. Je vais répondre à Vorniz rapidement. Pourquoi j'ai jamais les Pokéballs? Parce qu'il faut que tu les achètes. Il faut que tu tapes point d'exclamation PokéShop, parce que j'ai fait une faute, pardon. Pokéball 10, enfin, ou 10, ou 1, ou 2, 3, enfin, le nombre que tu veux. Mais si tu en achètes 10, il y a une Honor Ball, enfin, on s'appelle ça première ball en version originale. Pour 10 achetés, en fait, tu as une ball offerte. Exactement. C'est un petit jeu qu'il y a sur Twitch, mais rien de bien particulier, hein, mesdames et messieurs. Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligés d'y aller. Merci, monsieur Steak, qui dit c'est nul, je suis désolé, on n'a pas choisi, malheureusement, peut-être le bon sponsor burger pour toi, hein, puisqu'on a pris le fish and cheese. Je m'en excuse, sincèrement. Mais sache qu'on t'apprécie quand même beaucoup et merci beaucoup d'être présent sur le stream et de prendre du plaisir à regarder ce stream. En tout cas, je l'espère. Je te propose mais qu'on mais lise. Mais surtout, garde la frite, vraiment. Garde la frite, évidemment. Et je te propose, du coup, évidemment, je vous propose de lire la de suite. De lire le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre de cette fanfic, qui est le dernier chapitre. On y arrive déjà à la fin. Oui, déjà. Et... oh, ça passe tellement vite. Et oui, et c'est d'ailleurs très gênant à lire, hein. Mais ça, c'est autre chose. Évidemment. Ah, c'est un peu moins. C'est bon, les frites. Là, ils sont plus enfants, ils grandissent. Enfin, ils grandissent forcément. Vous connaissez l'histoire de Harry Potter. La mère de Harry Potter est morte. Il ne reste donc plus que le professeur Severus Rogue de vivant dans cette partie. Exactement. De l'histoire. Exactement. Je vous lance un petit Capitulus Proximus. Capitulus Proximus. Vous êtes jumeaux alors? Non, nous ne sommes pas jumeaux non plus, monsieur Steak. Mais continue à poser des questions auxquelles on ne pourra pas te répondre, puisqu'on garde aussi une partie de notre Exactement. Vie privée, évidemment. Mais on t'apprécie énormément. Je te mets un cœur sur la poitrine de ce côté-là et non pas de ce côté-là, puisque le cœur n'est pas là, il est là. Merci. On va alors, ce que aller. Je te propose, oui. C'est que je lise la narration du début, comme ça, oui. Après, tu lis entièrement la lettre qui est de toi, puis tu lis la narration et je lis entièrement la lettre qui est de moi, et puis ensuite, on voit, on improvise. Hein. Il n'y a pas de souci, faisons ça. Je rappelle que pendant la lecture, on ne lit pas le chat, on le lira après. Donc, ne soyez pas inquiets par rapport à ça. On le lira ensuite. Ça va, les chapitres évidemment. Sont quand même très très courts, ce n'est pas comme habituellement. Exactement, c'est beaucoup plus court et vous inquiétez pas, on s'en sort quand même. Chapitre 2, la lettre, Millie, c'est à toi. Un flot de souvenirs lui revint encore, mais cela datait de l'époque où ils étaient tous deux au collège de Poudlard. Une dispute stupide, un mot en entraînant un autre, et son monde anéanti en quelques instants. Oh, bien sûr, il avait essayé d'arranger les choses. Enfin, il avait écrit une lettre à Lily. Lettre qu'il n'avait jamais osé lui donner. Il l'avait gardée précieusement entre les pages d'un livre de métamorphose, car ils avaient ce cours en commun. Car il avait ce cours en commun avec la belle jeune femme. Pardon. Il aurait voulu avoir le courage de la glisser dans son sac, mais il avait été trop lâche. Jamais il ne pourrait se pardonner. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers sa bibliothèque. Il parcourut les étagères du bout des doigts jusqu'à retrouver l'ouvrage. Enfin, il revint s'asseoir à son bureau. La lettre était toujours là, bien calée à la page même où il l'avait glissée bien des années auparavant. 16 juin 1975. Lily, tu n'as pas voulu m'écouter lorsque je suis venu m'excuser hier soir et... Je te comprends parfaitement. Je te promets de ne jamais avoir voulu te blesser. Dans ma famille, on a toujours appelé les nez moldus sang de bourbe, et je sais que ces mots t'ont profondément touché. Je n'arrive pas à me pardonner de t'avoir insulté de la sorte. J'étais en colère d'avoir été humilié par James et je me suis laissé emporter. Je n'acceptais pas que tu aies pu assister à cette scène si humiliante pour moi. J'avais honte, Léon. Je ne voulais pas que tu sois vue comme la meilleure amie d'un faible ne sachant pas se défendre et dont tout le monde se moque. Tu te souviens quand je t'ai dit que tu lui plaisais à Potter? Il doit être si heureux
que de m'avoir ridiculisé devant toi. Il est si arrogant et orgueilleux. Mais je m'égare. Je te jure de ne plus jamais te faire de mal. Tu sais, quand tu m'as demandé si tu étais différente des autres, évidemment que tu l'es. Je suis persuadé de ne jamais plus rencontrer quelqu'un comme toi. Tu as changé la personne que j'étais. Tu as changé toute ma vie en réalité. Désormais, je ferai tout pour toi, pour ton bonheur. Tu es si importante à mes yeux, si tu savais. Je ne mesure pas la chance que j'ai eue de t'avoir rencontré. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans toi à mes côtés. Tu m'as toujours soutenu, tu ne m'as jamais lâché. Et ce, malgré le fait qu'on ait toujours, qu'on t'ait toujours reproché d'être mon ami. Je ne pensais pas qu'on pouvait s'attacher autant à quelqu'un. Lorsque je suis près de toi, j'ai l'impression que rien ne peut nous arriver. C'est là qu'est ma place. Je ne t'ai jamais montré toute l'affection que je te porte. J'avais peur de ta réaction, mais maintenant, je suis prêt. Et cette lettre résume tout ce que j'ai toujours eu envie de te dire. Je n'ai jamais été le genre de personne à exprimer ses sentiments. Jamais, jamais. Tu l'as certainement remarqué après tout ce temps. Mais je veux essayer de le faire désormais. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant de te perdre pour toujours. Je t'aime. Et pas uniquement en tant qu'ami. Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps pour te le dire? C'est vrai. Vas-y. Non, parce qu'après la lettre, c'est moi. Donc là, c'est à toi de lire la narration. Excuse-moi. Il songea un instant aux mots couchés sur le papier, puis replia soigneusement la lettre et la rangea exactement à la même page. Il referma le livre avant de se lever pour le replacer sur l'étagère où il l'avait pris. Mais quelque chose attira son attention au sol. Tu sais très bien à quoi j'ai pensé. Non, fais-nous plaisir et éclaire notre lenteur. Non, parce que ce serait spoilé, ce serait dommage. Ah oui, pardon. Désolée. C'est pas grave. Mais quelque chose attira son attention au sol. Une page venait de tomber du vieil ouvrage. Sévrus se baissa afin de la ramasser et soudain, son corps se figea. Ses yeux s'écarquillaient. Ses mains se mirent à trembler. Ce n'était pas une page du livre, mais du papier à lettres. Et dessus était écrit « Sévrus », d'une belle écriture sophistiquée. L'écriture de Lily. Le professeur se laissa tomber sur son fauteuil. C'en était trop pour ce soir. Trop de souvenirs, trop d'émotions, mais il voulait savoir. Que lui avait-elle répondu ? Alors, le cœur battant la chamade, il entreprit de déplier la lettre et de la lire. Juin 1975. Sévrus, je suis désolée de ne pas t'avoir écouté l'autre soir, mais James n'était pas loin et je sais qu'il n'aurait manqué pour rien au monde une si belle occasion de s'en prendre à toi de nouveau. Alors voilà, j'ai préféré te couper dans ton élan plutôt que d'être la cause d'une nouvelle humiliation pour toi. Et oui, tes mots m'ont blessée, mais je savais tout au fond de moi que tu ne les pensais pas. Je te pardonne et je te dois également des excuses, car moi aussi j'ai eu des propos méchants lors de notre dispute. En ce qui me concerne, la scène à laquelle j'ai assisté, je te dois aussi des excuses. J'aurais dû réagir et arrêter James et sa bande. Je m'en veux tellement, si tu savais. Pourras-tu un jour me pardonner? Tu ne mérites pas tout ça. Tu es un être extraordinaire et je suis réellement heureuse d'avoir fait ta connaissance. Tu es mon meilleur ami et pour rien au monde je ne laisserai ce genre de situation arriver de nouveau. J'ai pris une décision hier. J'ai beaucoup réfléchi et, au fond, je sais que si James t'embête autant, c'est uniquement parce qu'il est jaloux de ce que nous partageons. Alors,
Si c'est moi qui le veux, il mourra. Pour une fois, c'est ton bonheur qui primera. Et je ne laisserai plus te faire souffrir. Je laisserai passer du temps avec moi autant qu'il le veut, si ça peut lui faire qu'il cesse. Si ça peut faire qu'il cesse. N'oublie jamais que tu as illuminé mes jours depuis notre enfance et j'aimerais que tu puisses briller face au monde autant que tu as pu briller à mes côtés. PS, ce fut un sentiment merveilleux que d'être amoureuse de mon meilleur ami, Lily. Alors, elle l'aimait. Elle l'aimait et n'a fait tout ça que dans le but de le protéger. Severus pleurait à présent. Il serra la lettre contre son cœur. Le précieux papier avait encore ce doux parfum de lavande qui était le préféré de Lily depuis sa plus tendre enfance. Je te laisse, vas-y. Elle l'avait pardonné. Elle l'avait aimé. Elle avait appelé son enfant Harry. À présent, le cœur du jeune Severus, du Severus adolescent et du professeur Severus Rogue, vibrait à l'unisson. Et ce furent des yeux emplis de larmes qu'il leva au ciel en murmurant « Ma tendre Lily, comment pourrais-je briller sans toi? La lune peut-elle briller sans son soleil? Je t'ai tant aimé, je t'aime toujours, je t'aimerai à jamais. » Acteur Studio, merci. Mais oui, c'était merci. Merveilleux, bravo! Ah, c'était beau, et attention! Mesdames et messieurs, il faut préciser que la lettre de Severus était déjà écrite, mais que le reste, la lettre de Lily... Tout ce qu'il y a après la lettre de Severus, c'est moi qui a tout A été tout noté inventé. Et inventé par Lily, et j'ai eu les vraies larmes aux yeux quand j'ai eu la fin de la lettre. Donc bravo. Sérieux? Ouais, ouais, bravo. Oh bravo, bravo, bravo. Ça m'a ému. Bravo à toi, Lily. Tu as un vrai talent d'écriture. Bravo, bravo. Je suis fier d'être dans cette émission avec toi. Et non pas dans la vraie vie, hein, comme certains l'ont posé dans le chat. Bravo, franchement, c'est magnifique. On va évidemment procéder... Excusez-moi. On va évidemment procéder... Tout va bien, tout va bien. On va évidemment procéder à une lecture de Tchijol Relance, du coup. Lecture, chatum. Voilà. Une lecture de chat... Monsieur Sec qui dit c'est bon les frites, tant mieux. Vous êtes jumeaux, alors non, nous ne sommes pas jumeaux. Ils sont pas jumeaux. Millie n'a pas de barbe. Alors on rappelle qu'elle s'appelle René Guette hein, ce soir, évidemment. C'est Monsieur Stack phonistiquement. Pardon, excuse-moi. Vous faites quoi dans la vie? Alors dans la vie, on fait beaucoup de choses, notamment. J'écris des fanfictions. Voilà, dans la vie, Millie écrit des fanfictions. Et dans la vie, moi, je m'occupe de les corriger et aussi de fêter tout ce qui est. Fête type Pâques, type Noël, ce genre de choses, voilà. D'ailleurs, tu pour portes à ta très question. Bien le déguisement du lapin. Oui, je suis un très beau tu lapin. T'en sens bien. Et je peux te dire que... Pan-pan, sur la Garonne. Bref, il est bon le café. Alors, je ne bois pas de café. C'est pas du café, c'est mon urine qui est là, hein, voilà. C'est mon urine, ça me permet de faire des analyses. En fait, ça, quand je bois un petit peu de mon urine, ça me permet de savoir les analyses, là, par exemple. Au goût, il sait s'il manque de fer, par exemple. Un peu trop de nitrite. Quand même, il faut que je fasse attention. Faut faire attention quand tu manges du jambon. Exactement, le jambon sous nitrite de préférence. Ton ami ou ta meilleure amie, je serai là. C'était pas calculé. La bouteille a décidé de dire non, ça y est. Je serai là toujours pour toi. Alors, quelle belle déclaration. Oui, c'est une très belle déclaration. Bravo encore une fois, Millie, de l'avoir écrite. Merci. Est-ce que tu avais quelqu'un en tête quand tu l'as écrite, justement? Est-ce que ça t'a rappelé certaines émotions qui a fait que, du coup, ça t'a permis de l'écrire aussi bien? On en parle en privé après, si tu veux. Ok. Ok. Nadia qui dit, c'est vrai que ça s'enchaîne bien les deux histoires bien vues, effectivement. Vous lisez quoi? Merci. Alors, comme on le disait, on lit des fanfics qu'on a trouvés sur Internet. Là, Millie a rédigé un petit peu, a reformulé les fanfics. Mais on lit des deux fanfictions, sur, on va dire deux fanfictions
sur Harry Potter qu'on a trouvé sur internet, sur le site HP Fanfiction, je crois, et une fanfiction, on va appeler comme ça, que nous avons rédigée exprès pour vous ce soir. J'espère qu'elle vous satisfera. Elle est aux petits oignons. On ne peut pas dire mais oui. Autrement. On l'a bien laissé mijoter toute la nuit. Rien que d'y repenser, ça va être l'éclate. J'en parlais avec ma mère justement aujourd'hui, et rien que de lui en parler, sans lui dire ce qu'il y avait dedans, hein. J'étais morte de rire au bout de la table, elle ne comprenait pas pourquoi. Voilà, elle sera beaucoup plus fun, celle qu'on a rédigée, que... que les deux que vous allez entendre, hein, qui sont un petit peu plus dans la mélancolie, on va dire. Vous lisez quoi? Donc là, c'est ce qu'on disait. Tu bois quoi? Donc mon urine, hein, je le précise, effectivement, c'est parce qu'il t'aime, ouais, exactement. Exactement, ah, c'est ce qui est... Ce retournement de situation, elle l'aimait! Elle l'aimait, exactement. C'était bien écrit, merci, oui. Merci pour les applaudissements. Mon bravo pour les applaudissements. On applaudit bien fort Midi, hein, qui a un travail de rédaction. Parfait. C'était bien écrit, oui, et d'avoir récupéré des infos des deux histoires précédentes, c'était bien vu, nous dit Nadia. Le nom de l'enfant, quoi? 7. Mais effectivement, c'était Harry Potter, le fameux Harry Potter. Mais c'est dégueulasse. Mais chacun ses goûts, hein, évidemment. Non, pour si vous voulez vraiment le vrai résultat, c'est juste que c'est du thé pêche qui est noyé dans de l'eau, hein, tout simplement. C'est du, c'est une poudre, hein, de thé pêche qui sert de diurétique, hein, tout simplement. Rassurez-vous, je ne bois pas mon pipi, évidemment. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait de te voir le faire, hein, parce que moi je le ferais pas. Mais... Ouais. Ça fait deux fois la bouteille, elle en a marre. Exactement. C'est quoi des fanfic? Alors c'est des fictions, des fanfic. Ce sont des fictions qui rédigent. J'ai pouffé de rire encore, bon bah tant mieux. Ce sont des fictions qui sont rédigées par des fans d'une licence avec leur héros préféré. Qu'ils essayent de mettre en scène dans d'autres situations, voilà. Et les fanfics, ce sont des fictions, des fanfictions, des fanfics qui sont populaires, because they are famous, fame, voilà, tout simplement. Non, pardon, le 7, c'est un accident, le 7 est à côté de l'entrée. Si tu le dis, j'ai pouffé de rire encore, parfait. Milly, je te propose qu'on entame la deuxième fanfiction que nous avons trouvée sur Internet. Sur Drago et Ginny. Oui. Pareil dans le ton mélancolique. Elle est plus courte celle-ci. Et les événements se passent plusieurs années après la guerre de Poudlard. Après la fin des livres et des films Harry Potter. Exactement. Non, pas uniquement des femmes. C'est ce qu'on appelle des fans. Fans comme ventilateurs. Ce sont des fictions écrites par des ventilateurs. Fanfic. C'est pour ça qu'on appelle ça. Fanatiques. Ou fanatique aussi, ça, voilà. Et il y a des hommes fanatiques, hein. Par exemple, Marilyn Manson est fanatique de du diable, hein, par exemple, voilà. Ou comme moi, je suis fanatique de ce super sponsor, hein, qu'on vous a présenté en début de stream, hein. Merci encore une fois. Mais parfaitement. Pour ce partenariat bien négocié. Du coup, on va pouvoir lire cette fanfic. Qui vous propose une compilation Drago et Ginny. Du coup, au début, bon, on lit tous les deux normal comme on fait d'habitude. Mais tu verras, à partir de la page 2, c'est que toi qui as des dialogues très très longs. Du coup, je me permettrai de lire toutes les narrations, si ça ne t'embête pas. Oui, pas de souci. Ravi que ça vous fasse plaisir, parce que vous allez en bouffer. Ouais. Mais oui. Moi, s'il y a des frites avec, c'est bon. Ça sera peut-être une petite pause sponsor un moment, hein, pour vous présenter. On peut d'ailleurs la faire maintenant. Je pense que ça peut être une bonne idée, non, Mehdi, hein? Entre deux... Vas-y, entre ouais, deux hein fanfics, on fait une petite... ça peut être pas mal. On vous montre un petit peu, voilà, le sponsor. Là, on passe encore voilà, quelques minutes le sponsor. Et on revient pour la fanfic, rassurez-vous, dans la joie et dans la bonne humeur. Bien évidemment, attention, sponsor. Putain, merde, on me fait chier avec sa sponsor, quoi. Putain, j'arrive pourquoi pas, hein. Il a choisi du bleu? Pourquoi il n'a pas fait aux couleurs de la chaîne? Déjà, ça serait mieux passé. Mais, non, mais déjà, mais... J'y arrive pas, quoi. Putain, obligé de faire semblant d'aimer ça, quoi. En plus, qu'est-ce que c'est merdique, quoi. Mais en plus, il arrête pas d'en parler dans le chat, quoi. Mais oui, mais au bout d'un moment, qu'il lâche l'affaire. Putain, obligé d'en parler, obligé de faire genre, oh, c'est super, machin. Non, mais tu sais, ça y est, il a trouvé un sponsor depuis 5 ans, waouh.
Bravo, c'est un événement, faut marquer le coup. Putain, comme si c'est ça qui allait nous payer la chaîne, quoi. Ça, moi, je te dis, moi, franchement, avec toutes ces conneries, là, j'espère que je vais bien payer, hein. Parce que le salaire du mois dernier, franchement, je suis désolé, mais ah j'ai ouais, non, que laisse dalle. Hein. tomber. Il m'a passé, allez, un quart de ce qu'il était censé me passer. Sérieux, c'est abusé. Mais il paye au lance-pierre, ça, j'en suis sûr. Hein. Mais ouais, devant tout le monde, il fait bien. Nous sommes une association. Nous sommes un collectif. Un collectif au poil. Bon, ça doit être bon, là, au niveau du temps de la sponsor, non? Bah, je sais pas, ça doit faire une minute à peu près, ouais. Ouais, ça devrait aller. Attends, j'attends qu'elle finisse le tour. Hein. Putain, je ouais, me retiens, ouais. je me retiens, je me retiens de le ban. Hein. Si on n'était pas sur sa chaîne, là, j'aurais ouais, banné. Ouais, mais non, depuis on est sur sa chaîne, je sais pas si tu peux le ban. Bon, attends. Ouais, puis il va s'en rendre compte, quoi, je veux dire. On va devoir revenir. Attention, attention, vas-y. C'est parti. Et nous revoici pour les récits d'un autre monde. Après cette petite pause sponso. Pardon. Du coup, je vais aux toilettes, Juro, il n'y a pas de souci. The Cowboy, hein, va aux toilettes, va pisser, il n'y a pas de problème, ou va chier. Hein. Va chier. Va chier, The Cowboy. Va chier. Va chier. Va chier. Pardon. Monsieur Stack qui nous demande si... Deux fois de trop, je crois. Si, je ne vois pas ce que tu veux dire. Monsieur Stack qui nous demande si on est payé. Alors, non, sache que pas sur du tout. Non. Renegames... C'est une association, voilà, on fait ça. C'est du bénévolat, voilà. C'est du... Sur Renegames, on stream pour se faire plaisir, mais aussi pour vous faire plaisir, évidemment. Bien sûr. Avec le plus grand des plaisirs. En deux mots, des plaisirs, hein, évidemment. C'est important. Il y a des bugs d'écran, c'est normal. Sur la pub, elle est... un peu cheap, non. Alors non, elle a été conçue avec avec amour par The Cowboy. Vraiment super, ça met bien en valeur le sponsor, ça fait plaisir. Heureux, j'espère que je n'ai rien loupé. Non, tu n'as rien loupé. Non, The non, Cowboy, rien, t'inquiète pas, on n'a pas encore commencé à lire. Voilà, va chier The Bad Garçon, va chier The Bad Garçon. C'est rigolo, c'est rigolo, j'aime bien. Si seulement ça peut être vrai. Moi, je commence un régime. Affiche un gros burger. Oh non live. Alors, attention, s'il vous plaît, prenez en compte notre nouveau nom. Maintenant, ça s'appelle René Games. Hein, et je vous rappelle ah, que oui, nous oui, sommes. Ah oui, faites pas d'erreur. Hein. Voilà, faites pas d'erreur. On est. Maintenant, on est. Bon, bref, voilà. Et donc, du coup, vous êtes avec non plus DNA et Mini, c'était nos anciens pseudos. Maintenant, c'est René Coty et René Guette. Hein, s'il vous plaît, essayez de faire un effort pour ça. On a pris du temps pour. Se faire réfléchir plutôt que se faire imposer. On s'est pas fait imposer ça, évidemment. Non, on change pas de pseudo comme ça. Exactement. Bref, c'est la joie, c'est la bonne humeur. On est heureux, tout va bien. Ça fait plaisir de pouvoir vous lire. C'est la vie, pas le paradis. Tu me diras quand c'est moche. Eh bien, écoute, merci, monsieur Stack. Mais c'est aussi moche de dire monsieur Stack. Et pourtant, on le lit. Donc, j'espère quand même que ça te. Te convient, voilà. On essaye de faire de notre mieux pour gagner de la thune. Non, je déconne, bien pour évidemment. Pour les associations, bien sûr. Pour les associations, évidemment. Bref. Évidemment. Nous allons lire. Je du coup, c'est une commence, fanfic. Hein. Exactement, putain de... Pardon, excusez-moi. Petite... Des fois, quand je suis un peu sur les nerfs, ça arrive. Donc, du coup, on va pouvoir lire cette fanfic. Est-ce qu'elle porte un nom? Midi, c'est une fanfic, d'ailleurs. Elle ne porte pas de nom, elle n'est pas découpée en chapitres. Enfin, je crois que le nom de base sur le site, c'était « On regrettera plus tard », si je me souviens bien, mais vu que je l'ai, bah, j'ai modifié pas mal de choses dedans. Je ne sais pas si on peut encore l'appeler comme ça. Bien que le bien. Titre, oui, reste quand même okay. Adéquat. Eh bien, on regardera, on regrettera plus tard peut-être de l'avoir lu. Et bonsoir à toi Théo, j'espère que tu vas bien. Voilà. C'est qui l'a écrit la fanfic? Alors la fanfic a été écrite non pas par un ventilateur cette fois-ci, mais par quelqu'un du site HP Fanfiction, qu'on vous recommande d'aller voir si vous voulez lire cette fanfic modifiée par Mini. Mais cette fanfic, si vous voulez la lire l'original, n'hésitez pas. Si vous y allez, je préfère vous prévenir d'avance. Prévoyez... Un bécherel. litres de collyre. Voilà. Il y a pas mal de fautes. Et puis, après, si vous vous connectez sur le site, vous pouvez voir des fanfics interdites au moins de 16 ou 18 ans si vous êtes de ce genre-là. Bref, faites-vous plaisir. Voilà. Nous, c'est à nous ce soir de vous faire plaisir. Et attention, un petit Capitulus Proximus.
Capitulus Proximus. Merci. Et je suis déçu, c'est pas la fanfic de Chad. Et non, Chad n'a pas rédigé de fanfic, mais on vous en a rédigé une qui arrivera juste après. C'est dommage parce que t'as loupé celle que j'ai écrite pour moitié. Effectivement. Mais c'est pas grave, puisque juste après celle-ci, que j'ai déjà modifiée, nous allons vous lire la fanfic que nous avons totalement inventée de A à Z. Parfait. Avec TN. Parfaite, elle est parfaite, je vous le dis, rien que d'y penser, je suis mort de rire, elle est parfaite. Elle est magnifique. Effectivement, et pour répondre à Monsieur Stack qui nous demande c'est quoi le colire, c'est un délire collectif, et on fusionne dedans. Voilà. Et on est en plein dedans. Hein. Voilà. On est dedans, exactement. Voilà. On commence ? On commence, on bloque le chat, et donc du coup, ce que je te propose, c'est que tu commences, Milly, cette fanfic, qui s'appelle potentiellement « On regrettera plus tard ». Milly, c'est à toi. À la veille de Noël. Est-ce que tu peux recommencer parce qu'on n'a pas entendu le « nous sommes », s'il te plaît. Ok. Nous sommes à la veille de Noël. La plus belle période de l'année. La période des fêtes, des cadeaux, des histoires racontées au coin de la cheminée, des batailles de boules de neige. La période de la bonne odeur des sapins, du foie gras, des chocolats. Toutes ces petites choses qui ne sont pas extraordinaires en soi, mais qui, partagées avec les personnes que l'on aime, deviennent les plus beaux moments de notre vie. Noël, c'est une fête qui permet de réunir une famille, de resserrer les liens, de faire plaisir aux personnes que l'on aime. C'est une fête où l'on met ses différends entre parenthèses pour pouvoir profiter pleinement de ces instants de bonheur. Voilà les pensées qui habitaient une jeune femme, rousse, de Londres. Mais ce soir-là, c'est avec un sentiment de culpabilité qui lui était désormais familier qu'elle poussa la porte pour sortir du 12 Square Grimaud. Le vent glacial de la rue se rua à l'intérieur et la fit frissonner. Elle accepta ce froid mordant comme une pénitence pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna juste à temps pour apercevoir la silhouette de Harry se faufiler rapidement dans la cuisine. Elle poussa un soupir. Il avait dû la voir qui tentait de s'éclipser en douce, mais il n'avait rien fait pour l'en empêcher ou pour la dissuader. Il s'était résigné et avait sans doute fini par comprendre que c'était inutile. Qu'il aurait beau la dissuader de partir, cela ne ferait que renforcer le désir qu'il habitait depuis tant d'années. Que son cœur ne lui appartenait plus depuis très longtemps. S'il lui avait même appartenu un jour. Ginny referma la porte derrière elle. Elle fit ce qu'elle faisait depuis toujours. Elle fuyait la misère qui était devenue sa vie, en laissant derrière elle un mari qui ne cessera jamais de l'aimer, et deux petits garçons. La porte se referma sans bruit sur les rires et les cris excités de James et Albus, et sur la voix fatiguée de Harry. La jeune femme s'enfonça dans l'obscurité de la nuit glaciale. Merci beaucoup John François pour ton like sur Facebook, merci à toi. La jeune femme s'enfonça dans l'obscurité de la nuit glaciale. Le cœur rempli d'amertume, de remords, de tristesse et de colère. Elle s'en voulait de ne pouvoir cesser de penser à cet homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer et de briser des familles à cause de ça. Quelques heures plus tard, elle arriva à Préaulard. Une flopée de souvenirs plus heureux les uns que les autres lui revinrent en mémoire. Elle donnerait tout pour retourner à cette époque, ne serait-ce qu'une journée. La nostalgie s'empara d'elle et elle s'autorisa quelques instants à laisser vagabonder ses pensées loin du présent qu'elle fuyait tant. Weasley ? Cette voix la ramena immédiatement à la réalité. Dure, froide. La douce mélancolie qui la berçait se brisa. Draco Malfoy se tenait devant elle, ses yeux gris ne reflétant que de l'agacement. Pas un sourire ne vint adoucir ses traits. Il faut que ça s'arrête. Il faut que tu arrêtes. Son ton était intransigeant.
Il détachait chaque syllabe avec soin, comme s'il s'adressait à une enfant. D'ailleurs, il ne l'avait appelée Weasley que pour la blesser et créer de la distance. Un rendez-vous le jour de Noël, reprit-il. Vraiment? Tu sais que j'ai une famille, un enfant dont je suis censé m'occuper? Ma femme se pose des questions, tu sais. Elle se demande qui m'envoie des lettres tous les jours. C'est du harcèlement, Ginny. Tu comprends ce que je te dis? Et Ginny avait arrêté d'écouter lorsqu'elle avait entendu... Ma femme. Ce ton possesseur qu'il avait pris en prononçant ces mots l'avait blessé. Tu l'aimes? Dit-elle d'une voix fragile. Oui. Il n'avait pas hésité une seconde. Il avait répondu en la fixant d'un regard qui la défiait presque. Alors, elle se sentit mourir un peu. Et moi, tu m'aimes? Bah vas-y, du coup, non. Ah, comme tu veux, oui. Bah deuxième page, on a dit. Et voilà. Toujours cette même rengaine pathétique. Où était donc passée l'ancienne Ginny? Forte, flamboyante et sûre d'elle. Elle aurait aimé qu'elle revienne en cet instant et qu'elle prenne la place de la femme faible et ridicule qu'elle était devenue. Elle plongea son regard dans celui de Drago. Elle eut besoin de rassembler toute sa force de volonté pour ne pas détourner les yeux, pour attendre sa réponse alors que celle-ci pourrait la briser pour de bon. « Tu m'as sauvé, tu sais !» répondit-il. « Cette année-là, à Poudlard, j'étais complètement perdu. » En l'espace de quelques mois, j'étais devenu un mange-mort. Tu sais qui avait transformé la maison de mes parents en lieu de réunion pour ses fidèles et je ne me sentais à ma place nulle part. Il s'arrêta de parler quelques instants. Il n'avait pas l'habitude de se confier autant. Il ne le faisait que devant elle. Elle avait au moins conservé ce pouvoir sur lui. Mais tu étais là, toi. Reprit-il. À t'opposer au monde entier. Te rebeller, comploter, provoquer. Tu défies l'autorité des carreaux. Supporter leurs coups avec tant de courage. C'était un plaisir de te provoquer et te voir réagir au quart de tour. Tu étais devenu une obsession. Tu m'attirais vraiment. Et en l'espace de quelques mois, tout mon monde ne tournait plus qu'autour de toi. Tu étais la lumière qui brillait dans mes ténèbres. On s'est rapprochés. Inexplicablement, tu as répondu à mes avances. Je ne comprenais pas ce que tu avais vu en moi. En ces temps-là, je me dégoûtais tellement. Encore maintenant, tout cela reste un mystère pour moi, tu sais. Ce qu'on a vécu était si fort, si intense. Je t'ai aimé, Ginny. Vraiment. Mais la guerre est terminée à présent. Tu faisais partie des héros et moi j'étais devenu un paria. Tu as été couverte de gloire et moi d'insultes et de menaces de mort. Ginny commença à s'avancer, tendant une main vers son visage. Non, 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 laisse-moi finir. L'interrompit-il, sa voix commençant à se briser. Si je ne finis pas maintenant, je ne pourrai jamais en reparler. Finalement, tu es retombé dans les bras du survivant Potter. Vous formiez le couple modèle, le parfait petit couple de héros. On ne parlait plus que de vous. Et tu sais à quel point c'était dur d'ouvrir le journal et de vous voir chaque jour à la une, heureux, souriant, main dans la main. Il pleurait à présent. Toute cette rage et cette tristesse conservée depuis si longtemps en lui se déversait dans un flot de paroles ininterrompues. J'ai pas retensé à toi, Ginny. Gémit-il. Durant des années,
Je t'ai supplié de revenir. Je savais plus que de raison. Et tu m'as repoussé. Tu avais sûrement honte. Honte d'avoir aimé quelqu'un comme moi. Ginny ferma les yeux. Ces mots eurent l'effet d'une gifle. La véracité de ses propos l'a blessée. Mais comment expliquer à sa famille, à tous ces gens qui l'adulaient, qu'elle aimait un mangemeur? Il était l'ennemi, un membre du camp adverse responsable de la mort de son propre frère. Ne pleure pas, Ginny. S'adoucit-il en apercevant ses joues mouillées. S'il te plaît, je veux finir. Pendant des années, je n'ai pas renoncé. Et puis tu es tombé enceinte de lui. Potter. Alors j'ai réalisé qu'il fallait que je passe à autre chose et que je cesse de vivre à travers toi, pour toi. J'ai rencontré un historien et j'ai enfin connu une relation saine, sincère et sans honte. Je l'aime, tout simplement. Et elle m'aime en retour, et tout est plus simple. Elle m'a permis d'avoir un merveilleux petit garçon. Et je ne veux pas tout gâcher. Je ne veux pas les décevoir. Je ne peux pas les décevoir. Ginny était bouleversée. Elle aimait quand il se confiait à elle. Tu n'as pas répondu à ma question. Bredouilla-t-elle. Je t'ai aimé, Ginny. Soupira-t-il. Et peut-être qu'une partie de moi t'aime encore, mais j'aime ma femme et mon fils plus encore. Et alors, il faut que tu me laisses partir. Qu'on arrête ce petit jeu malsain qui ne mène à rien. Nous sommes néfastes l'un pour l'autre. On ne s'apporte rien de bon. On fait ressortir le pire l'un chez l'autre. Retourne voir Potter. Occupe-toi de tes enfants. Agis comme une adulte pour une fois. Et ne me contacte plus. Si tu m'aimais, tu aurais dû me le montrer 10 ans plus tôt. Quand je n'attendais que toi. Mais tu n'es pas venu. Et maintenant, c'est trop tard. Pleurait à gros sanglots maintenant. Elle ne tentait même plus de se contenir. Ses jambes cédèrent et elle s'effondra sur le sol enneigé. Oh, comme elle regrettait. Mais moi, je t'aime, Draco. Je t'aime plus que tout. Son regard était suppliant. Ton regard était suppliant. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi partir. Laisse-moi être heureux. Je peux vivre sans toi. Faut que tu la refasses parce qu'on n'a pas entendu le mot qui valait. Mais je peux pas vivre sans toi. Elle avait crié cette fois. Elle semblait si sincère. Son beau visage doux déformé par ses pleurs. Il se sentit flanché. Une fois de plus, elle avait cette emprise sur lui. Elle avait toujours eu. Pourtant, elle n'était plus la Ginny d'autrefois. Cette femme qui le suppliait au sol ne ressemblait pas du tout à cette jeune fille flamboyante dont il était tombé amoureux. Et pourtant, il cédait encore. Il était si faible face à elle. Si j'avais voulu partir, se dit-il, j'aurais dû le faire 10 minutes plus tôt. Ou mieux, il aurait fallu ne pas venir du tout, mais je suis là encore et toujours. Alors il se pencha et la prit dans ses bras pour l'aider à se relever. Elle plongea son visage mouillé dans sa veste. Ils entrèrent dans une petite auberge où ils allaient souvent, montèrent l'escalier, puis il la déshabilla, redécouvrit ce corps qu'il connaissait pourtant par cœur, huma son odeur, l'embrassa un peu trop fort, il la haïssait, il l'aimait. Ils firent l'amour de nouveau cette nuit-là, sans douceur. Il lui en voulait,
Toute la tension accumulée entre eux se relâcha. Elle était à lui. Il aimait ce pouvoir qu'il exerçait sur elle, qui la poussait à revenir à chaque fois. Et il s'en voulait d'aimer ça. Mais elle était à lui. Pour l'éternité. Qu'est-ce qu'elle est belle ! Songea-t-il. Pardon. Quoi ? Non, c'est très bien, mais tu continues. T'es à fond, y'a pas de soucis. Oui, mais je suis dans l'acteur. Y'a vraiment acteur pas de studio. Il l'aimait aussi fort qu'il l'a haïssé. Il l'aimait aussi fort qu'il l'a haïssé. Il la désirait tant. Et pendant quelques instants, il oublia tout. Astoria qui devait être mort d'inquiétude. Son fils qui devait le réclamer. Il ne pensa pas au sentiment de culpabilité qu'il allait ressentir durant les prochains mois. Avant qu'elle le recontacte à nouveau. Parce que oui, elle le recontactera. Elle finit toujours par revenir. Et si elle ne revenait pas, alors il irait la chercher. Et ils se retrouveraient, inexorablement. Encore et encore. C'est la fin ! Actor Studio, évidemment. Lecture Chatoum. Oui. Lecture Chatoum. Merci. Fanfic terminée de Drago et Ginny, vous avez vu, un peu plus sensuel et surtout un peu plus dramatique dans l'émotion. Oui, très dramatique, c'est vrai. Avec quelques petites corrections. Celle-là, c'est celle que j'avais lue, je pense, le plus. Et quelques petites corrections qui ont été apportées, qui sont plutôt sympathiques de ta part, Mini. Bien joué. Voilà. Du coup... Oui, parce que j'ai retiré des détails qui n'étaient pas importants et qui étaient totalement déplacés, je trouve. Elle avait un bon... Non, c'est surtout que, par exemple, dans l'original, au début, il précisait qu'elle n'aimait pas ses enfants, qu'elle les avait jamais aimés. Je trouvais ça inutile dans le contexte de l'histoire. Et puis, en plus, je trouve ça totalement déplacé parce que je ne connais pas vraiment de mère qui n'aime pas ses enfants. Elle les aime bien ou mal, peu importe, mais je ne connais pas de mère qui n'aime pas ses enfants. Ça se comprend. Je pense que c'est une bonne modification. Vraiment déplacé, en fait. Ça, voilà. Après, faut oublier que les gens qui écrivent ça sont plutôt jeunes et donc peuvent avoir des fois... Et je pense que la personne qui a écrit ça devait avoir été trompée peu de temps avant. Tu penses ? Parce qu'il y avait des détails qui faisaient vraiment passer Ginny pour une traînée. Vraiment, hein. Je les ai retirés. Voilà, on sent que bon, c'est pas une fille bien puisqu'elle trompe quand même son mari, hein, accessoirement, avec un homme marié en plus, qui plus est. Mais j'ai enlevé voilà les détails qui étaient insultants, les choses comme ça, vraiment je les ai retirés. Après, c'est aussi Drago qui trompe Astoria aussi, avec une femme mariée. Ça va dans les deux sens, vraiment les insultes entre guillemets, les propos. Tendancieux et tout, était vraiment tourné vers Ginny et pas vers Drago. Oui, je comprends. C'était vraiment... J'ai édulcoré un peu tout ça. Je me suis permise, voilà. Je suis désolée pour le travail que les fans ont fait pour écrire leur fanfic, mais je trouvais que ça... Non, ça passait pas. C'était pas respectueux et voilà. Je suis désolée si les personnes qui l'ont écrite passent par là. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai modifié votre travail. Je me suis permise pour que ça passe en stream sans que ce soit trop insultant et que ce soit pas trop creepy aussi, parce que comme dit Nadia, même sans se connecter apparemment, pour les fanfics qui sont réservés aux plus de 16 ans et plus de 18 et tout, sur la première qu'on a lue, quand ils étaient enfants, l'auteur se permettait de prêter des pensées sexuelles aux personnages, qui sont âgés de 6 ans, je le rappelle. J'ai trouvé ça extrêmement malsain et malaisant. Donc tu as bien fait de modifier. Encore une fois, les gens veulent lire les fanfics, les originales, Vous pouvez aller sur le site, il n'y a pas de souci. HP Fanfiction, encore une fois, c'est là où on a pioché les informations. Ah que coucou, ouais. Alex Lyon, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur René Games, évidemment, voilà, chaîne récemment renouvelée en compagnie de René Coty,
et de Renegade, hein, évidemment, sponsorisé par le Fish and Cheese. Évidemment, on vous remontrera la sponsor, hein, puisque je pense qu'on n'a pas trop le choix, avant la prochaine fanfic qui a été écrite cette fois-ci par nous. Et vous allez vous régaler, mesdames et messieurs, vous a gardé le meilleur pour la fin, comme à la mais télé. Mais oui, évidemment. Mais pour l'instant, nous lisons le chat, voilà. Oui. Et oui, mais je reste tu pas. Tu arrives tôt, mais oui. Alors, il reste pas. Ben, c'est pas grave, merci à toi, Alexion, d'être passé. Merci à toi, Alexion, d'être passé. Des bisous. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous à toi. Des bisous à toi. Et GG Develop pour Théo. Renegados contestataire à niveau 44. Pourquoi vous changez de voix? C'est pour faire des personnages. Hein, donc, on change de voix tout simplement avec Millie qui fait une voix un peu plus aiguë pour faire une jeune fille et moi qui fais une voix un peu plus nasillarde en fonction des personnages. Alors, j'avoue que Severus ressemblait pas mal à Drago, mais comme je tousse encore un peu et j'ai pas encore la gorge parfaite, ouais, j'ai remarqué, et surtout qu'ils sont en plus adultes, c'est compliqué de faire une voix différente entre les deux puisque de base, Severus se pose pour parler. Nous avons des clips. Ils prennent la voix 9-3-4, exactement. T'inquiète, Drago, un paria, c'est pas rien. Oh, pas mal. Je peux pas. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, le qu'est-ce qu'elle est belle, il était magnifique, vraiment. Merci de l'avoir clippé, Nadia. Parce que vraiment, en fait, dans cette scène, si vous n'aviez pas compris, il se dit ça au moment où ils sont en train de faire l'amour. Et tu l'as dit dans un espèce de souffle, tu vois, et c'était vraiment magnifique. Je m'en suis même pas rendu compte. Je te dis, l'Actor Studio, c'est pour ça que j'ai rigolé, en fait, parce que c'était tellement bien fait. Donc, comme quoi, hein, le talent, c'est inné. Bref. Oui, voilà. Monsieur Stack qui demande, c'est qui, Ginny? Alors, Ginny, c'est Ginny Weasley, hein, plus précisément. Et c'est voilà, pas des idées Ginevra de Ginny. Pour les pas intimes. Exactement, Ginevra, exactement, pour les pas intimes. Et c'est toujours Harry, oui, on parle d'Harry Potter, hein, évidemment. GG pour Nadia, niveau 112. Et pour Vorniz, niveau 22. Merci pour l'équipe, Nadia, mince retard. Je suis parti, je n'ai pas entendu si vous répondiez à ma question. On a répondu à tes deux questions. On vient de la répondre voilà. Tout juste là maintenant. C'est ça. Ginny, donc c'est Ginny Weasley, hein, dans Harry Potter, hein, la sœur de Ron Weasley. Et pourquoi vous changez de voix? Pour pouvoir montrer la différence entre nous qui parlons en tant que narrateur ou les voix des acteurs. Tout simplement. Pour être RP, parce que tu comprends, on peut dire « je t'aime ». Et voilà. Puis on peut dire « je t'aime ». Tu vois la différence? sur le coup, c'était bizarre. C'était surtout le thème. Oh. C'est direct et violent, tu vois. C'est un peu... c'est beaucoup, quand même. Et c'est gênant, c'est quoi, RP? Roleplay. C'est-à-dire jouer le rôle. Hein, tout simplement, jeu de rôle, jouer c'est le rôle. C'est le principe de ce que les acteurs font. Tu vois, au voilà, théâtre, exactement. Dans les séries, les dessins animés, si tu es friand de ce genre de choses. Puisque les voix des dessins animés ne sont pas vraiment jouées par les personnages de dessins animés, tu sais. Ce sont des vraies personnes derrière. Effectivement. Et RP, des fois, ça peut être aussi, dans un second sens, les P faits avec la bouche. RP. Le fait du RP. C'est comme ceux qui font du air guitare, tu vois. Voilà, ça, c'est du RP. Voilà. C'est comme air guitare, RP. Ouais. C'est le même principe, voilà. Bref, j'espère que mon explication t'a plu. J'espère que ça vous a plu. Oh shit, nous dit The Cowboy. Il est temps, du coup, de repasser une pub de sponsor avant la prochaine. Oui. La dernière, messieurs, dames, profitez-en bien. La prochaine, qui est la meilleure, on peut vous le dire, c'est vraiment celle sur laquelle on a le plus travaillé. J'espère qu'elle vous plaira. Nous, franchement, elle nous a fait mourir de rire quand on l'a rédigée. J'espère que vous on allez l'a vous fait éclater. La nuit, hein, je vous préviens, on était fatigués. Ouais, on l'a fait mais de la nuit. Mais c'est marrant. Mais c'est ce qui a rendu le mieux. Ah, j'en profite pour aller chercher un truc. Il n'y a pas de souci, on en profite pour vous montrer. Du coup, le sponsor, encore une fois, hein, de ces streams, hein, super sponsor. Ah, ça fait plaisir. Attention, sponsor. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. C'est bon. Et encore une minute, allez. Putain. Je crois pas, quoi. Franchement. Il va nous la faire passer combien de fois? En plus, t'as vu, il arrête pas de nous harceler en MP. Mais là, ça fait... Ça... Mais oui, c'est allez, ça. Passez la pub, passez la pub. Mais je vois, là, ça fait 12 messages qu'il m'envoie. Au bout d'un moment, je lui dis stop, il n'arrive pas à comprendre. Mais ouais, c'est tu vois, dingue. Tu vois, autant, moi, je blague quand je dis que j'aime l'argent, tu vois. Mais autant, lui, vu comment il force, j'ai des doutes. Hein.
Attends, toi, il t'a envoyé combien de MP? Attends, parce que moi, je suis en train de compter, là, ce qu'il m'a envoyé. Il m'en a envoyé 7 juste sur l'histoire qu'on était en train de lire, là. Donc, imagine, ça fait déjà 2 fanfics qu'on lit, quoi. Non, mais ça devient n'importe quoi. Hein. Enfin, mais ouais, franchement... il a changé, hein. Faut qu'il ajuste son traitement, je sais pas, mais... Franchement, on a la prochaine AG, là, ce week-end, c'est ça? Ouais, c'est ce week-end. Ouais. J'ai proposé une motion pour le destituer, il est pas bien. Hein. Il est pas bien, il est pas en état, là. Il est pas en état de diriger Renegades. Mais en plus, il prend des décisions, mais complètement. Justement, Renegades. Wow. N'importe quoi, Renegades. Non, puis René Coty, ouais, c'est ça. Renegades, on en parle. Il a fait René Girl et René Boy ou René Gars, là, je sais pas quoi, là. Il a renommé tout le monde, là. C'est quoi, déjà, là, ces trucs à la con, là? Attends, laisse-moi regarder. En plus, sur la vidéo d'intro, là, Millie stoïque, genre, je suis stoïque, moi. Millie stoïque, franchement... Il a mis ça, j'ai pas vu la vidéo d'intro, en plus. Et toi, il a mis des... Attends, il a mis quoi? Des Etna, pour faire D-N-A, mais tout collé, ça fait des Etna. Putain, quel con. Il a fait ça, vraiment? Je veux dire, mais déjà, ouais. J'ai lâché Dylan News parce que j'avais pas eu le choix. Ok, alors que j'adorais ce pseudo. Par contre, attends, arrête de t'énerver, s'il te plaît, t'es en train de me broyer la main, juste desserre un peu. Oui, pardon, excuse-moi. Merci. Putain, heureusement qu'on va manger juste ta merde dans le midi, hein, parce que j'en peux plus. Attends, regarde, je vais te faire un petit massage des épaules, ça va te faire du bien. Oh. Ah, génial. Oh. Voilà, ça va mieux? Ouais, c'est bon. Voilà, oh. Allez, t'es prêt à reprendre, parce que là, ils vont se poser des questions si on redémarre pas et tout. Hein. René Grill, quoi. Non mais le pire c'est que les gens osent pas lui dire. Ils osent pas, ils mais ont nous peur. Plus, tu nous vois. Non plus, mais ouais, mais en même temps le. Enfin, non mais là pendant l'AG il faut en parler. Hein. On en parlera pendant l'AG, on essaiera de destituer. De toute façon, tu sais très bien que mon but depuis le début c'est de reprendre Renegades à la main parce que pour que ça devienne une véritable démocratie. Oui, quelque chose de sérieux. Ouais, voilà, parce que là ça va plus. Là c'est encore un exemple comme quoi c'est de la merde. Bon, on va reprendre... Allez, souffle un coup, attention, 1, 2, 3. Je vais boire un coup d'eau et je relance. Ah, c'est pas con ça, moi, je vais boire un coup aussi. Allez, hop, attention, je relance. Ouais, souris. Hey! Petite pause, évidemment. Et rebonjour à vous. J'espère que cette pause sponsor vous a plu. Merci Nadia pour le clip, je vois pas ce qu'il y avait à clipper. C'est pourquoi vous changez de voix. Pourquoi vous changez de voix? Ah merci, super, c'est gentil Nadia. C'est l'explication, je pense, que pour que Monsieur Stack puisse se la repasser s'il oublie la réponse. Exactement. On vous entend toujours, ben oui, on nous entendait évidemment toujours quand on était en train de parler justement, quand on était en train de te donner la réponse évidemment. Mais oui. Ah. Tiens, vous n'avez pas eu le temps de boire pendant la pub? Non, on est allé faire pipi. On a été pissé, tu vois, déjà. Voilà. Et quoi, neuf vient de revenir. Bah écoute, tu viens juste à chaque fois entre les... C'est marrant parce que tu laisses les sponsors passer. Franchement, t'es réglé comme une pendule, quoi. Mais c'est ça qui est fou. Mais j'ai l'impression, limite, que tu pars au moment de la sponsor et tu reviens juste après la sponsor. Limite, si ça te fait chier, la sponsor, tu nous dis, au pire, c'est pas grave. On la met pas, quoi. Ah ouais, non, sinon, on la met pas, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà. Tu vois, on a deux fois, pourquoi vous changez de voix? Il a été... Ah oui, d'accord, tu lui repartages pour être sûr qu'il l'ait vu. Ok, pas de souci. Parce qu'on est trop en phase. Mais on est en phase, mais bien sûr. En fiche une phase. Télépathie. Ce qui fait une bonne équipe. Mais oui. Pardon. Un collectif au poil. Attends, j'ai peut-être la batterie. Oh, c'était un peu fort, pardon. Ouais. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, on va chapitre. Le prochain, du coup, voilà. C'est celle qu'on a écrite. Ouais, voilà, ouais. Petite lecture chatoum. Non, du coup, l'autre. Non, Capitulus Proximus. Bref. Du coup, effectivement, la prochaine fanfic que nous allons vous lire aujourd'hui, et la dernière de ce soir, c'est une fanfic que nous avons spécialement rédigée pour vous ce soir. Avec
Millie, dans la joie et dans la bonne humeur. Dans la joie et dans la bonne humeur, pardon. Excusez-moi. Et vous allez, je suis sûr, l'apprécier à sa juste valeur. Et là, vous vous dites peut-être qu'on n'a pas assez ri ce soir. Je pense que notre ange de rigolade arrivera ici. Alors après, peut-être qu'on l'a sûrement un peu. Mais au pire, c'est pas grave. En tout cas, nous, elle nous éclate. C'est ce qui compte. Oui. On a décidé volontairement de la passer à la fin. Parce que en début, pendant l'intro, on se demandait justement avec DNA si on l'a passé entre les deux qu'on vous a lu au début ou quoi. Et je lui ai dit moi-même que c'était mieux de la passer à la fin parce que les deux premières étaient quand même un peu lourdes émotionnellement. Et du coup, voilà, il fallait quand même. Et puis bon, on voulait attendre que tout le monde soit là pour toucher un max de personnes. Parce que c'est quand même très important. On a travaillé très très dur pour la faire et on voulait vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui soient là pour l'entendre et pour nous soutenir. Voilà. Oui, effectivement, hein, effectivement. C'est vraiment pour vous mettre en joie à la fin de ce stream, hein, puisque les deux autres étaient un petit peu déprimantes. Tout à fait, c'est exactement oui. Pour ça. Je vais finir sur une petite note plus légère, à moins que vous ne préfériez l'humour très lourd, auquel cas vous allez être servi. Ah. Dans les deux cas. Ça, c'est sûr, vous allez être servi. Donc, on va utiliser sa vie, Na, série, c'est rigolo. Merci pour cette référence. Toujours beaucoup d'humour, The Cowboy. Alors, mesdames et messieurs, du coup, nous allons lire le Capitulus Proximus. C'est-à-dire la fanfic qui se nomme, je te laisse la nommer, Milly. Hagrid et l'œuf mystérieux. Hagrid et l'œuf mystérieux. Chapitre 1. Il y a 4 chapitres. Il y a 4 chapitres. Le chapitre 1, il fait 6 pages en tout. C'est vous qui l'avez écrit. Oui, c'est nous qui l'avons écrit de notre main. De A à Z. De A à Z. Hagrid et l'œuf mystérieux. Enfin, très exactement de H à L, mais c'est un détail. C'est vrai. Pour Harry l'auteur. Hagrid et l'œuf mystérieux. Chapitre 1. La découverte de l'œuf. Millie, c'est à toi. Il était une fois un élégant garde-chasse qui se promenait dans la forêt interdite. Du haut de ses 247 ans, le jeune Hagrid chassait la dinde afin de satisfaire son appétit vorace. Je suis Hagrid. Et je glougloute tel un dieu. Pensait-il en son fort intérieur, le regard fier tourné vers les cieux. Après une... Vas-y, si tu veux. Non ? Ouais, je vais faire. Ça te dérange pas. Vas-y. Je te laisserai par là, après. Après une longue... Non, je vais te laisser lire. Parce que la suite est plus... je veux dire la suite, en fait. Je comprends. Vas-y, excuse-moi. Après une longue période de recherche infructueuse, il comprit que ce n'était pas pratique de regarder si haut pour repérer des dindes, car elles ne savaient point voler. De ce fait, il abaissa son regard afin d'observer le sol devant lui. Glougloutait-il gaiement, le cœur vaillant. Quand, tout à coup, au pied d'un arbre non loin de là, il découvrit un œuf. Il se rapprocha, prudemment, pas à pas, n'oubliant pas que le trépas n'était qu'à un pas, ou plutôt trois. Une fois suffisamment proche, il le toucha du bout des doigts et fut immédiatement rassuré. Oh ! Je suis Hagrid. Et je suis bien heureux de ne pas être tombé nez à nez avec un 6 retourné. Le soleil tapait décidément bien fort dans cette forêt. Interdit. Attends. Attends, parce que j'ai perdu... voilà, ma souris a déconné. Et, pas de soucis. Voilà. Voilà. Le soleil tapait décidément bien fort dans cette forêt interdite. Hagrid se releva, satisfait de sa découverte, quand tout à coup,
au pied d'un arbre non loin de là, il découvrit un œuf. Il se rapprocha, prudemment, pas à pas, sans foi ni loi, sans avoir froid ni sans émoi. Et toi, aurais-tu franchi le pas ? Je ne sais pas. Mais faut pas. Pardon. Pardon. Non mais c'est parce qu'on connaît la suite. Oui 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 c'est et ça. C'est très. C'est compliqué. Cet œuf était magnifique, mystérieux, sublime, étincelant, brillant et soyeux. Car oui, cet œuf était touffu. Touffe, touffe l'homme. Marmonna Hagrid. Car oui, il l'avait oublié l'espace d'un instant, mais... Pourquoi t'as rigolé ? Je suis désolé, j'en fais. Touffe, touffe l'homme. Marmonna Hagrid. Car oui, il l'avait oublié l'espace d'un instant, mais... Il était Hagrid. Il s'en retourna donc avec son œuf sous le bras. Hurla-t-il au vent tel un dindon victorieux. Vas-y. Non, parce que je lis après le paragraphe. Ah oui, c'est vrai. Ce qui était encore plus bizarre, c'est que cet œuf ne semblait appartenir à personne. Je suis Hagrid. Je vais me renseigner sur cet œuf auprès de Gilles de Roy. Dit-il à son propre reflet dans le miroir de sa cabane. Et c'est la fin du chapitre 1. Voilà. On vous l'a dit. Ça va être très compliqué de rester sérieux pour la lire. C'est pas le pire passage. C'est pas le pire. Ah ouais, non. Il y a bien pire que ça. Le trépas, trois papes à Valverse. Il a rigolé parce qu'il réside depuis 3 minutes, je confirme. Les chapitres sont courts, alors le dernier est beaucoup plus long que les précédents. Alors c'est le dernier le plus dur je pense. Excusez-moi, j'ai pas mis de lecture chatou, mais bon... Vraiment... le suivant est comme ça aussi. Hein. C'est une petite pépite. Ah ouais, j'espère que ça va vous plaire, franchement. Je fais un petit Capitulus Proximus quand même, encore une fois. Hein. Mais oui. Capitulus Proximus. Et nous allons de ce pas attaquer le chapitre 2 que tu vas aussi commencer, qui se prénomme le professeur Lockhart. Rigole pas. Je suis désolé. Chapitre 2. Le professeur Lockhart. Billy, c'est à toi. Par un heureux hasard scénaristique, Gilles de Roy passait justement par là. Je suis Hagrid. Je requête une demande auprès du roi Gilles. Mais que dites-vous donc ? C'est Gilles de Roy et non le roi Gilles. Mais si l'idée d'être votre sous-marin me plaît bien. Répondit Gilles de Roy avec un petit clin d'œil à peine discret. Je suis Hagrid. Serait-ce outrepasser les limites de l'indécence que de quémander la carte ? Elle me permettra d'identifier cet œuf. Et pour rappel, je suis Hagrid. Mais quelle carte ? Je ne possède point de carte, mon jeune ami. Ah, mais vous parlez de Lockhart, pas la carte. Oh, navré, mon délicieux sujet. Mais
mon nom de famille ne pourra rien vous révéler. Tournez-vous plutôt vers mon livre fétiche, bien évidemment. À la recherche des œufs de tout poil et de tous horizons. Écrit par moi, Gilderoy Lockhart. Pardon, Gilderoy Lockhart. D'ailleurs, la quatrième de couverture me représente moi, debout sur une table, totalement nu, et brandissant ma chère Excalibur. L'épée légendaire, bien entendu. Combien coûte-t-il déjà? Oh oui! Simorny! Mais pour vous, je veux bien faire un prix d'amis. Disons, 9 morny. C'est pas beaucoup de dialogue. Hein. Tu vas dire la narration par la suite. Hein. T'inquiète. Je suis Hagrid. Ce prix me convient tant que. Allez. Allez. Je suis Hagrid. Ce prix me convient tant que ce n'est pas ainsi se retourner. Mais il est complètement con. Enfin, bref, achetez donc mon livre, mon exquis serviteur. Hagrid acheta donc le livre 12 morny comme convenu plus tôt. Je suis désolé, pardon, ça m'éclate trop. Pardon, vas-y, excuse-moi. Hagrid acheta donc le livre 12 morny, comme convenu plus tôt, ou pas, et se mit en quête de renseignements utiles sur cet œuf. Cependant, il se rendit vite compte que le livre n'était qu'une compilation non exhaustive de tous les œufs dégustés par son auteur. Je suis Hagrid et ce livre ne m'a renseigné en aucun point. Ce fut les 15 morny les moins bien dépensés de toute ma vie. Pourquoi avoir loué ce livre à crédit? Bon, allons voir le professeur Pourave. C'est ainsi que se termine le chapitre 2, mesdames et messieurs. Putain, mais je suis désolé, mais c'est impossible de tenir. C'est impossible. Vous passez un bon moment, dites-nous. Je suis fatigué. Bah écoute, monsieur Stack, sache qu'il y a tout, il y aura toujours une VOD si ça ne te plaît pas ou si voilà. Tu es fatigué. Sache et que tu pourras aller voir la VOD, évidemment, mon cher. Voilà. Je sais pas, chapitre à la Larry de beau gosse. Tournez-vous plutôt point. Voilà, vous l'avez compris. Ma chère Excalibur et ce prix lui convient. Parfait. Mais on est au 15 à bien. Merci. Mais, voilà. Très bon. Merci, The Cowboy. C'est bon. Gentil. Parfait. Ah, on est content que ça vous plaise. Là, il y en a oui. Qui écrivent plus du tout. On ne sait pas s'ils sont morts de rire. S'ils sont morts tout court ou s'ils ont parti. S'ils sont décédés, voilà. Oh, mais c'est excellent, c'est excellent. C'est excellent. Écoutez, franchement, on s'éclate. Rien que oui. De... On essaiera peut-être de vous la filer à un moment, comme ça vous pourrez la lire par vous-même, à vos enfants, évidemment, ou vos amis. Hein. Non, pas à vos enfants, pas à vos enfants, pas à vos enfants. Pas à vos enfants, pas à vos enfants, pardon. Mais c'est excellent. Chapitre 3. Le professeur Pourave, je te propose qu'on... le commence et que ce soit toi qui le commence aussi. Midi, chapitre 3. Le professeur Pourave, petit. Capitulus Proximus. Évidemment. Et merci, c'est à toi. Merci. Et justement, par un heureux hasard scénaristique, le professeur Pourave s'occupait des citrouilles du jardin de Hagrid. Je suis. Hagrid. Et je requiert une demande. Auprès de Miss Pourave. Chourave ! Le coupa-t-elle, telles les racines des mandragores. Qu'est-ce qu'il veut, le grand barbu ? Je suis toujours Hagrid, et après avoir perdu 18 morny pour un ouvrage digne d'incaltable, je souhaiterais avoir votre avis d'experte sur cet œuf.
Mais je suis professeur de botanique, moi. Pas de soins aux créatures magiques. Vous dégustez pourtant bien mes œufs chaque matin. Mais enfin, c'est parce que vos poules ont pondu ben trop. Je suis encore Hagrid. Et pour rappel, je me prénomme Hagrid. Il n'empêche que je ne sais toujours pas quoi faire de cet œuf. T'as coupé ton micro pour rire. Ah, c'est dégueulasse. Rire silencieusement. Mais moi, je me retiens, tu vois, comme un fou. Mais j'essayais de rire. J'ai pas coupé mon micro. Mais j'essayais de rire silencieusement. Mais moi, je vois la caméra. Voyais ta phrase se terminer. Et je me suis dit, putain, il va falloir que je lise. Attends, je te donne un peu de boue, je refais. Je suis encore Hagrid. Et, pour rappel, je me prénomme Hagrid. Il n'empêche que je ne sais toujours pas quoi faire de cet œuf. Écoutez, quand je dois faire pousser de belles mandragores, je les rempote et rapporte régulièrement du bon terreau bien mixé avec du fumier. Mais Hagrid ne veut pas le faire. Hagrid... Mais Hagrid ne veut pas le faire fumer. Et c'est moi, Hagrid, je le sais. Il veut le faire éclore, enfin. Oh, je m'en vais m'informer par un autre billet. Où est donc passé l'humble Dumbledore? Dumbledore? Dans un hamac, mais il doit être réveillé à cette heure. Merci et bonne journée, professeur Picrave. Chourave! Et Hagrid s'en repartit joyeusement, son estomac lui rappelant que l'heure du troisième encas approchait à grands pas, sans oublier le déjeuner qui suivrait. Je suis Hagridé. Moi qui voulais savourer de la dinde rôtie, me voilà béni avec cet œuf velu que tout le monde veut manger tout cru. Puis il continua sa route, remontant vers le château. Chapitre 3 terminé, mesdames et messieurs. Dernier chapitre, bientôt. On va évidemment lire le chat avant. Très bon. À vos enfants devenus adultes, oui, c'est de la culture. Oui. Hagrid en perd ses mots, exactement. Exactement. Magnifique. Alors, je me permets déjà de fermer ma caméra et de la remettre, parce que sinon, le focus s'en va. Mais... Est-ce qu'on est... Professeur Bicrème. Est-ce qu'on n'est pas là à un niveau... Vous nous direz vraiment ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on en est fiers et on rigole beaucoup. Et vous n'avez pas vu encore la suite. Le dernier chapitre est excellent. Le dernier chapitre est une grosse pépite. Tellement excellent que potentiellement, il y aura un petit à côté supplémentaire qui sera un jour apparent... dans nos discords respectifs, au moins, peut-être. On verra bien. Oui. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Suspense. On verra. Ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr. On vous garde la surprise pour le moment. Mais peut-être. Évidemment. Je pense qu'il est temps, Milly, de crever l'abcès. Capitulus proximus. Il est arrivé un peu vite. Oui, pardon. De crever l'abcès et de révéler enfin, est-ce que l'œuf va éclore? Il est donc temps de Attention dire... Un crabicoque apparaît. Pardon. C'était un Pokémon. Voilà, C'est bon, tu peux reparler. Ah d'accord, ok, pardon. je ne savais plus si je pouvais bouger. Du coup, chapitre 4, qui est le... Capitulus Proximus. Qui se nomme... Le professeur Humble Dumbledore est le dernier chapitre de cette fanfic rédigée, encore une fois, par Renegade Milly et René Coty Néana. Tout de même. Voilà. Chapitre 4. Le professeur Humble Dumbledore. Milly, c'est à toi. Le professeur Dumbledore ne fut pas bien difficile à trouver, comme à son habitude. Il était dans son bureau caché, accessible par l'escalier secret. Saucisse grillée, dit Hagrid. C'est moi, Hagrid. Et l'escalier commença à monter. Pourquoi faut-il toujours que ce soit toujours et encore de la bouffe?
Il n'était pourtant pas à Poufsouffle. Se demanda le vénérable. Cela dit, des saucisses grillées. Pourquoi pas au déjeuner ? Hagrid entra dans le bureau. Il eut mal au genou, mais tint le coup. Et fut accueilli par un cri strident. C'était Fumesec, le phénix de Dumbledore. Il avait une mine atroce depuis quelque temps et ne cessait de se déplumer. Aïe ! Grid. Aïe, Grid. Pardon. Aïe ! Grid. Aïe, Grid. Mais il va fermer ça ! Oh ! Bonjour, Hagrid ! S'interrompit brusquement Humble en apercevant Hagrid dans son bureau. Je suis... Ah ! Hagrid et... Bonjour, professeur. Répondit Hagrid qui souffrait à chaque pas, la main sur son genou blessé, tandis que Fumesec venait se lever contre sa jambe. Je requête une demande. Je n'avais pas... Je vais rajouter une petite interprétation. Ah mais ta tête était magnifique en plus. Là, je le refais quand il faut. On est en train de perdre le vie. Alors, je requête une... Attendez, excusez-moi. J'avais oublié cela. Je requête une demande auprès du... Toi aussi, tu l'avais oublié. Non, mais je l'ai vu tout à l'heure, ça me fait... Pardon. Coucou, HDG. Bonsoir à toi, HDG. J'espère que tu vas bien. On vous lira après les messages, mais on a oublié de couper là. Je suis... Aïe ! Hagrid. Bonjour, professeur. Répondit Hagrid. La main sur son genou blessé, tandis que Fumesec venait se lever contre sa jambe. Je requête une demande auprès du directeur des truites. Des lieux, vous voulez dire. Attends. Je requête une demande auprès du directeur des truites. Des lieux, vous voulez dire. Rétorqua. Je vais y arriver. Rétorqua le directeur des truites. Oh, oui, ça... Je vais boire un coup et je ouais, vas-y. Okay. Moi aussi, je vais boire un coup. Allez, comme ça. J'arrivais plus à avaler. Attends, je refais du coup. On se prépare comme ça. Je requête une demande auprès du directeur des truites. Des lieux, vous voulez dire ? Rétorqua le directeur des truites. Mais aussi des lieux pour ne pas le vexer. Continue. Attends, j'ai trop chaud, j'enlève mon petit plaid, voilà. Pardon. Hagrid posa l'œuf près de Fumesec qui se blottit immédiatement contre sa fourrure. Je suis Hagrid. Désolé, on a beaucoup rigolé en faisant ce truc-là. Pardon. Je suis Hagrid. Je n'ai strictement rien compris, mais... Bref, j'aimerais faire éclore cet œuf, mais
tous ces fifrelins ne m'ont donné que des recettes pour le manger. Mais voyons, Hagrid, êtes-vous malade? Une petite fièvre, peut-être? Pourquoi ramasser un si gros œuf si ce n'est pour le savourer? Cela ne vous ressemble point. J'ai vu la suite. On va pas lire la suite. On va pas lire la suite, attends, comme ça. Mais voyons, Hagrid, êtes-vous malade? Une petite fièvre, peut-être. Pourquoi ramasser un si gros œuf si ce n'est pour le savourer? Cela ne nous ressemble point. Vous me surprendrez toujours, cher larbin. Mais... Humble... Professeur! Coupa Dumbledore subitement. Oui, je suis le professeur Hagrid. Et je vous accorde le pardon. Cependant... J'avais oublié. Oui, je suis le... On refait du coup. Mais Humble... Professeur! Coupa Dumbledore subitement. Oui, je suis le professeur Hagrid. Je vous accorde le pardon. Mais qu'il est con. Marmonna Dumble, éveillé. Attends. Mais qu'il est con. Marmonna Dumble, éveillé. Oh, mais qu'il est clos. Une nouvelle formule magique permettrait-elle de faire éclore les coquilles? Mais qu'il est clos! Hurla Hagrid en pointant son parapluie rose, mystérieusement apparu, vers fume sec et l'œuf dodu. Cependant! Tonna le bus. Albus, lol. Hagrid, vous ne devriez pas laisser fume sec câliner votre précieux œuf. Il ne va pas bien ces derniers temps et... Je pense qu'il entrera bientôt en combustion. Dumbledore n'eut même pas le temps de terminer ses propos que la combustion du phénix commença aussitôt. Le duvet de l'œuf se consumait lui aussi, et Hagrid, en pleine crise de panique, donna un grand coup de parapluie rose dans l'oiseau pour l'éloigner de l'œuf. La boule de flamme s'écrasa brutalement sur le mur opposé, avant de retomber en un petit tas de cendres. Ombre ! Clapit Albus. Oh, joli coup ! Ah, pour la peine, j'offre 12 856 748 points pour Gryffondor ! Je suis Hagrid et je souhaitais protéger mon œuf. Dit précipitamment le garde-chasse. Oh, ne vous en souciez guère, mon tendre Benet. Il ne s'en souviendra pas, de toute façon. Lorsque de ses cendres, il renaîtra. Hagrid se hâta vers son œuf, tandis que l'odeur des poils roussis lui fit penser à une dinde rôtie et rappela sa faim à son bon souvenir. Mais il retira vivement sa main rougie au contact de la coquille incroyablement chaude. Ouh. L'œuf se mit à bouger légèrement en produisant de petits craquements. Oh, regardez, professeur, je suis Hagrid et je crois qu'il va éclore. Le piaf enflammé a dû le réchauffer, à la façon des mamans qui couvent leur bébé. Répondit Dumble, toujours éveillé. Comme si tout cela était rationnel et parfait. Et effectivement, après quelques instants, la coquille se fendit, et dans un geste éblouissant, une petite créature ailée sortit en titubant. Baba ! Oh ! Un dragon, Humble ! C'est moi, Hagrid, et j'ai réussi à faire éclore un œuf de dragon ! Hurla Hagrid, les yeux humides. Oh, désormais, je dois vous laisser, j'ai un prêt à rembourser. 105 mornings. Quelle belle opportunité pour l'ouvrage de notre chère royauté. Hagrid prit la porte et s'en retourna dans le bourreau. Pardon, je suis trompée. C'est
sans les taux de lave dans les boulons. Hagrid prit la porte, s'en retourna dans le bureau, récupéra le dragon qui... qu'il faillit oublier, puis ressortit gaiement, son dragon à la main et la porte sous le bras. En marmonnant. Tu veux que je la refasse? Oui, refais-la, refais-la. Pardon. T'as été très drôle. Hagrid prit la porte, s'en retourna dans le bureau, récupéra le dragon qu'il faillit oublier, puis ressortit gaiement, son dragon à la main et la porte sous le bras, en marmonnant. Grâce à lui, j'aime à imaginer toutes les saucisses doucement fumées que je vais pouvoir me faire griller. Et c'est ainsi que naquit le dragon d'avril. Et voilà, c'est la fin de cette magnifique fanfic Hagrid et l'œuf mystérieux. Qu'il fut difficile de ne pas rire. Et on peut la relire encore, on rigolerait au film. C'est compliqué, hein. Et voilà, donc, voilà. Du coup... clap, clap. Merci. Bonsoir à toi, HDG, qui nous dit bonsoir à tout le monde. Ici, c'est pas pareil, exactement. Je passe pour faire glou-glou, exactement. Détruite des lieux, merci Nadia. Tu l'as eu. On n'en peut plus aussi. Ils l'ont tous eu. Ça, c'est bien. Il y en a un qui disent encore que l'alcool, c'est mal. Eh oui, exactement. Allô, détruite, suffisent. Ils sont à des lieux d'être alcooliques. Exactement. Ben, l'alcool, j'ai alcoolique anonyme. Oh mon Dieu. Du moment que tu ne le vois pas. Dumble éveillé, mais vous allez tous les faire. On a cherché toutes les blagues possibles, on va être honnête. En fait, Dumbledore dormait et faisait un cauchemar. Non, Dumbledore dans un hamac, attention. Il prit la porte pour le voir. Dumbledore est éveillé. Dumbledore éveillé, voilà. Dumbledore, Dumbledore éveillé, c'est évident. Dumbledore, il prit la porte pour Dumbledore le voir. Dumbledore ne dort plus. Voilà. Dumbledore. Dumbledore ne dort plus. J'aime beaucoup, c'est une très belle image. Nadia qui dit, il prit la porte pour le bourreau. Exactement, dans le bourreau. Il a dû avoir mal le bourreau. Se retourna pour le bourreau. Mais simple. Et que naquit Erta, exactement. J'espère que vous avez bien compris toutes les allusions qu'on a pu faire, notamment voilà. Quand après, Hagrid... Après, il y en a, c'était plus visuel par écrit, plus qu'à l'oral, mais on vous la partagera sûrement dans les Discords, hein, de toute façon. Exactement. Notamment Hagrid rentra dans le bureau. Il eut mal au genou, mais éteint le coup. Écoute, le home run. Le home run. Home. Je n'ai pas compris avant d'entendre Dana le dire. Oh là là. Enfin bon. Et puis aussi, évidemment, le 9. Et le 9. Le 9 et l'œuf, en fait. Hein. D'abord, il voit un œuf et ensuite, il voit un œuf. D'abord, il voit un œuf. Enfin, dans l'autre sens. Et ensuite, il voit un œuf. Voilà, c'était rigolo. Et surtout, voilà, ça, franchement, ce qui va éclater... C'est là que j'ai commencé à rigoler, c'est... Et toi, aurais-tu franchi le pas? Ça n'a aucun rapport avec le truc. Aucun. Oh, c'est excellent. Putain, j'ai vite envie de la relire, c'est vrai. Finesse. Oh, bref, voilà. Franchement, est-ce qu'on n'a pas bien rigolé? Mais oui. Excellent. Mais oui. Excellent, excellent. J'ai bien vous amuser à écrire ça. Oh, bah, il nous a fallu 2 nuits. Ah, voilà. Une nuit, on a commencé à minuit et demi, 1 heure le mardi soir, je crois, et on l'a fini hier. On a fini à plus de 3 heures du matin, je crois, cette nuit-là. Exactement. Et puis derrière... Non, parce que je m'étais couché à... Non, oui, j'avais dû me coucher à 3 heures, hein, donc... Ouais, mais je sais que moi, je vous avais quitté à 2 heures parce que j'avais vu qu'il était 2 heures. Mais on s'est couché peut-être un peu plus tard, effectivement. Et puis derrière, en journée, j'avais écrit la fin. Et puis la nuit d'après, du coup, tu as relu la fin avec moi pour apporter des modifications et tout, puisque bah, on l'écrivait à deux.
Donc il fallait la terminer à deux. Exactement, et c'est pour ça que vous avez le bonheur d'avoir cette histoire cousue de fil blanc et aussi, et quand même délurée comme pas possible. J'espère que vous avez bien retenu, puisqu'il y aura des questions. Il y a des questions à la fin de ce stream. Combien coûte actuellement le livre de Gilderoy, hein? Ah, évidemment. Attention, 9 mornilles, 12 mornilles, 18 mornilles, ou on peut l'acheter 248 mornilles. Suspect. De quoi, le livre des œufs de tout poil et de tous horizons, ou la fanfic? Ah, effectivement, si tu l'achètes, c'est bien mal t'en prends, je pense. Je suis restée plus tard auprès d'Ena, j'ai maintenu Millie éveillée. C'est vrai. Elle m'a aidée. On discutait de tout et de rien pendant que je faisais. Et quand j'avais un doute ou quoi, je lui posais la question, savoir est-ce que ça, tu penses que ça passe, est-ce que ça sonne bien, tu vois. C'est... Exactement. Et on remercie. Alors quand on a commencé à l'écrire, on était en vocal un moment avec Nadia et Flo. On remercie de nous avoir entendu, de nous avoir soutenu. Ils ont entendu que le début, ils n'avaient pas toute la fanfic. Ils n'ont pas entendu la fin. Exactement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont pu en profiter là maintenant. Bon, Flo, actuellement non, évidemment, il en profitera plus tard. Mais en tout cas, Nadia... Il est en voyage, mais il regardera les VOD, bien entendu. Exactement. Et potentiellement, je dis ça avec toute couverture, on n'est pas sûr, machin, etc. Mais potentiellement, nous avons demandé s'il était possible pour Nadia de réaliser un fan art de Mais qu'il est clos. Voilà, d'une scène de l'histoire. Et elle va essayer. Voilà. On ne sait pas combien de temps ça lui prendra, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails dans cette scène. Exactement. Et puis peut-être qu'en fin de compte, ça marchera pas, ça fonctionnera pas comme elle veut, du coup. Voilà. Mais peut-être, éventuellement, que vous pourrez apercevoir par la suite sur le Discord ou sur un stream un petit fan art de cette scène. Exactement. Pas de pression, évidemment, Nadia. Je sais que tu es dans le chat. Pas de pression, non, Nadia. Non. On le fait en mode tranquille. On n'est pas pressé. Tranquille ou pilou. Il n'y a pas de problème, encore une fois, ça. Mais si on peut, si on arrive à vous en proposer un par rapport au temps, machin, etc., on sera très heureux. Si on ne vous en propose pas, c'est pas grave. Vous aurez dans tous les cas la fanfic. Magnifique fanfic qu'on a rédigé avec amour, hein, franchement, et ce fut un plaisir de la rédiger pour vous. Et voilà, je pense que pour Pâques, exactement. Franchement, j'aurais bien voulu avoir un fan art de la scène Home Run. Oh avec Dumbledore comme ça, tu sais. Et à genoux sur le sol et oh. Et Hagrid en train de shooter le phénix avec son parapluie, ça aurait été magnifique. Voilà. Mais il y a tellement de fanart à faire avec cette histoire que on ne pourrait pas les. On pourrait faire pas tous les faire. Voilà. Et au pire, on demandera à Chat d'en faire un parti à notre. On demandera à tout le monde d'en faire. Non, évidemment, on le fait. C'est encore une fois, voilà, on veut pas insister non plus, mais voilà. Dans tous les cas, cette fanfic là, on vous la fournira. J'espère qu'en tout cas, elle vous a plu et on arrive du coup à cette fin de stream, encore une fois, sur Renegames, avec Get, voilà. Parce que j'aime la guetter. Voilà, Get, voilà, et René Coty, évidemment. J'espère que ça vous aura plu. Alors, The Cowboy, est-ce qu'il faut passer le sponsor à la fin du stream aussi? Ensuite, on revient, on dit au revoir et c'est bon ou pas? Est-ce que t'es encore là, The Cowboy? Je sais pas les modalités de. Ah, ça se trouve, merci, il est parti pisser. Il est peut-être parti pisser, effectivement. Qu'est-ce que. Bah écoutez, on va passer au cas où un petit peu de. Dans le doute, ouais, de on sponsor. Va passer une chaude, et je vois qu'il m'a répondu sur Discord. Parfait. Eh ben, ouais. C'est okay. Parti. Pour un peu de sponsor, on se retrouve après. Au revoir, du coup, Non, on se retrouvera à la fin, je pense. On passe le sponsor, on se retrouve à la fin, et on fait un raid et tout ça, et on sera bien comme ça, ça vous va? Apparemment, les burgers, c'est la nouvelle monnaie. Ah, voilà. Des burgers, génial.
Super. C'est cool. Le sponsor, hein, tout de suite. Et on se retrouve dans quelques instants pour la fin de ce stream. Merci beaucoup. Oui. À de suite. Ah, j'en pouvais plus. Franchement, il faut qu'on arrête de faire semblant de rire. Hein. Les gens, ils vont vraiment croire qu'on rigole. Hein. On le fait tellement bien. Mais non, mais moi, je me suis dit, à force de rire, ils vont se rendre compte qu'on force le trait et tout. Mais non. Mais tu vois ça, à force d'avoir regardé Gad Elmaleh et Lee Se-moon et Dieudonné, franchement, ça nous a donné vraiment de la force hein, pour rire comme ça, hein, parce que... Écoute, et Malik ouais. Bentala, le doublage de Malik Bentala aussi, hein, Sonic. Hein, franchement. Ah ouais, ça c'était drôle par contre. Ça, ouais. Ça nous... Oh non, quel... Hein. Ouais. Arrête, relève ta main, on n'a pas fini encore. Ça va, c'est bon. Voilà. Attends, pourquoi ? Pourquoi il y a des barres vertes qui bougent là ? Des quoi ? Des barres vertes là, sur le stream là, pendant la sponsor. Il y a des barres vertes qui bougent ? Ouais. Micro, quand je parle là, ça bouge. Ah oh merde, et t'as pas coupé les micros ? Attends, attends, je vais voir, je vérifie. Vas-y. Putain, on nous entend! Oh merde! Coupe le micro! Je coupe. Attends, attends. Non mais ça sert à rien de toute façon de couper, enfin, c'est foutu. Tu crois qu'ils ont... Oui, après, vu qu'il était parti pisser, je crois, il devait pas voir son casque, je pense. Hein. Ils ont peut-être pas entendu, sinon... Enfin, je sais pas, hein. Je me dis... On parle pas si fort que ça, puis il y a la musique. Ouais. Ok. Bon, on fait comme si de rien n'était, ou... Il est revenu, vas-y, relance. Ok, ouais, je relance. Et voilà, la pause ponceau qui est terminée avant la fin de ce stream. Potentiellement, vous avez entendu peut-être nos voix sur la sponsor. Évidemment, il s'agissait d'un enregistrement audio que nous avons fait. C'est rigolo pour rire. Voilà. C'est le 1er avril. C'est le 1er avril. Voilà, c'est ça. C'est le 1er avril. Voilà. Et donc, c'est super. Ouais. Ouais. Voilà. Apparemment, Mickey les clous le chat, hein, il n'a pas vu faire semblant de rigoler, voilà. Oh, des têtes de chat, elles sont sympas, oh, ces émotes, t'as vu. Oh, oh, et et ce comment qui dit, j'ai toi trop mangé de burgers, je crois. Bon, et vous, ça va, super le stream, évidemment. Ah, super. Ça va et toi, qu'est-ce du coup, ça va mieux, t'es moins ouais, dérangé. C'est bon, les burgers, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on est bien quand même en stream sur René Games. C'est ouais, ça fait franchement, on s'amuse trop, je pense. On est vraiment dans le kiff et ça, ça fait trop plaisir. Et on vous rappelle qu'on est évidemment en multi-stream hein, sur René Games, Facebook, René Games, Twitch, René Games, YouTube et aussi DNA Play sur YouTube, évidemment. T'allais le dire une fois de plus, là, quand même. Ouais. C'est... Non, mais ça m'est resté en travers de la. Je veux dire, ouais, c'est de l'eau qui m'est restée en travers de la gorge. Voilà. Voilà. Ben écoutez, on va faire un raid. Là ouais, hein. On va s'arrêter là, hein. Allez. Ouais. Un raid. Qui c'est qu'on peut raid? Squeezie. Alors, non. Peut-être un bah, peu. Bah écoute. Zerator. Non. Oh, sinon il y a. Il y a Marine Mammal Rescue hein, qui nous fait passer des loutres. C'est bien aussi. Tac, tac, tac. Ou alors, bah, si y a vraiment ça, en stream. Ça te plaît pas, il y a Vinka qui est sur Way Out. Ouais, ou il y a Nounours aussi qui. Ah non, il est en mode discussion, donc il est peut-être fini. Vinka, ça fait un moment qu'on l'a pas raid, sinon il y a Malicette sur Minecraft. Alors on va proposer, voilà, parce que Malicette a été citée dans le chat, on va proposer soit Vinka, soit Malicette. Ok ? Vous choisissez dans le chat,
soit vous voulez voir du A Way Out avec Vinka, qui doit être en train de jouer avec Lolita, ou du Malicette avec Minecraft. Hein. Choisissez, écrivez-le dans le chat, faites-vous plaisir. Hein. Champix est sur Death of Martha. Martha is dead. Ouais, bon, on en a déjà sélectionné deux dans le lot. On peut pas faire un raid sur trois chaînes, donc... La prochaine fois, du coup... On le garde en tête pour la prochaine fois, effectivement, notre cher Champix. Mais effectivement, autant... dites-nous, Vinka, Malicette, dites-nous assez rapidement, parce que... Like you wish. Ok, écoute, Millie. C'est une bonne soirée en votre compagnie, c'est gentil, Vornis. C'est gentil. On a du Vinka qui est proposé. Allez. Vinka, allez, Vinka. Allez, j'envoie le raid chez Vinka. C'est le parti. Raid, bien sûr, se passe sur Twitch, donc YouTube. Évidemment. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être renvoyé sur une autre chaîne. Si vous le souhaitez, venez sur Twitch. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Et n'oubliez pas que nous vous aimons. Nous vous aimons vraiment. Évidemment. Ou plutôt, pour que certains comprennent mieux, nous vous aimons vraiment. Voilà. Nous étions extrêmement sincères durant tout ce stream. Oui. On vous laisse évidemment nous retourner. Nous pensions absolument tout ce que nous disions. Exactement. On vous laisse retourner au monde réel. Et sur ce... Bon poisson avril à vous. Salut. Ciao, ciao.